Hello. Salut Françoise, bonne année. françois Pascal, salut Laure. Oh, merci Simurg. Mon Dieu. C'est déjà pour 2024, je suis le vainqueur là. Maria, merci pour la rose. Bonsoir Sogimov. Meilleur vœu, comme dit Françoise. Bonsoir Viviana. Merci Sogimov. Bonjour Lila, bien sûr, je vais bien. Et toi Bonsoir Moon. Bonsoir Cindy. C'est joli ton nom, Cindy Noguera. Amérique du Sud, je suppose. Floc le Choco, bonne année. On va parler de la bonne année, comment aborder cette année hein, et euh, quelles étapes faire pour euh, s'améliorer. Salut. Voilà. bonsoir Christophe, bonsoir Anaïs, bonsoir Nathalie. Hello Betty Boop, meilleur vœux. Suma, bonsoir. Freezer, bonsoir. Vous êtes déjà 239 et vous me likez. Salut, Tino. Alors, avant de, de soigner et de vous dire comment vous soignez, je vais déjà vous parler des résolutions et de ce début d'année. Ah, bonjour, Maria. Merci d'être abonnée. C'est super. Merci Paquito. Le thème, si vous voulez, c'est 2024. Comment est-ce que j'avais abordé 2024 Alors, ce qui m'étonne, salut Jules, c'est que tout le monde fait ses voeux, hein, merci Ève, euh, tout le monde fait ses voeux le même jour, grosso modo. Et, euh, mais en fait, on peut faire ses voeux n'importe quand. Et ce que j'aime dans le. Dans le jeu, veux... dans le vœu, bienvenue à Maria Grasse qui est devenue un membre, le premier membre de 2024. Ça va te porter chance, Maria Grasse. Un bébé renard, j'adore. Alors, sachez que ceux qui assistent pour la première fois, est-ce qu'il y en a qui assistent pour la première fois à ma vidéo live Déjà, Salam. Friseur, lumière du pan, etc. Ok. Ça, c'est que si vous souhaitez euh, euh, vous abonner, j'ai trois types d'abonnements maintenant euh, sur TikTok. Un à 3,99, je crois, l'autre à 6,99 et l'autre à 9,99. Avec des avantages par rapport à chacun. C'est-à-dire que les membres peuvent me demander des questions et j'y répondrai en priorité. Ils peuvent me demander aussi euh, de, de faire une thématique et. et euh, je m'y ai forcé l'affaire. Oui, Fortuna. Donc, je disais, 2024, est-ce que vous avez fait vos vœux Quels sont-ils Pouvez-vous me mettre les vœux que vous avez faits Bonne année, médium. Bonsoir, Sabrina. La santé, te respecter. Santé. Bonsoir, Nour, Plus d'argent, déménager, projet pro et amour. Heureuse, beaucoup de joie. Il faut que Cricri, cri, tu précises. Bonsoir, Maria. Incarner pleinement ton potentiel, ça, c'est bien. Un monde meilleur. Ah, Maria, il faut plus que ce soit sur toi. J'aimerais que vous me fassiez des vœux par rapport. T'as déjà tout Waouh Génial, médium. Ça, j'aime bien ce genre de. Non, je pense que tu n'as pas tout. Sinon, tu serais. Euh... Tu <laughs> n'as pas tout, tu as l'amour éternel, tu as l'amour euh, du divin. Mais je pense qu'on a toujours euh, des petites choses. On nous manque des petits moyens, par exemple, pour euh, accomplir euh, notre mission encore, euh, encore mieux. Un cher, un cher, voilà, moi et plus hébergement. Ok. changer de voie professionnelle. Quoi d'autre? Les autres, euh, et mettez vos voeux, s'il vous plaît. Pire intérieur, intérieure pour mieux rayonner, perdre du poids. Ok, la Fatima, Amira, bonsoir. Les lois estéticienne. Confiance. Alors c'est bien. S'il te manque rien, c'est génial. Tu es la première personne que j'entends dire ça. La paix dans le monde, elle commence par la paix en soi. Bien, continuez à, à marquer vos vœux pendant que je vous parle. Euh, Qu'est-ce que les voeux en fait Les voeux, dans la, le langage des oiseaux, c'est je veux c'est similaire. Je veux, je fais un vœu. Ça vient du verbe vouloir pour moi. Même si veut » n'est pas le verbe vouloir. Mais euh, je fais l'analogie. Donc il y a un verbe d'action, vouloir. Je veux quelque chose, je fais un vœu. Hein? Euh, aucun vœu pour Maria. D'accord. Ces vœux sont de puissantes incantations, en fait. Et ça se passe à un même moment pour tout le monde. Un jour dans l'année où toutes les pensées sont concentrées. Donc il y a une force incroyable qui est projeté dans l'univers, et merci Maria, et qui rentre en résonance avec, euh, avec toutes ces demandes. Okay et, mais il faut savoir que ces, ces voeux, on peut les faire quand on veut. Et c'est là l'important. Il ne faut pas attendre la fin d'année pour le faire. OK Maintenant, qu'est-ce qu'un vœu j'ai mon e-book qui s'appelle miracle au pluriel.denitran.com que vous pouvez télécharger, miracle.denitran.com, qui explique en fait tout le processus du vœu. En fait, ce serait plus simple de vous demander qui ne fait pas de vœu parmi vous, qui n'a pas fait de vœu encore, ou qui ne fait pas de vœu, tout simplement. Ok, Maria, je pense, est la seule <laughs> qui ne fait pas de vœux. Ou non, tu n'es pas la seule, parce qu'il y a euh, Médium médium alep qui le fait. Vous êtes deux. Ça, je suis ravi que vous ne la fassiez pas. Hein tu pries, c'est c'est, mais tu ne fais pas de vœux. Ok. Ah, c'est très intéressant tout ça. Un vœu, pour moi, c'est comme une demande. Toi non plus, Nadvilam Bon, alors il y en a. Non, il ne faut pas faire. Oui, tu peux faire Sarah et ça, a des vœux. Alors il y a des vœux d'ordre universel. On veut le bien pour tous. Il y a des vœux d'ordre émotionnel. Il y a des vœux d'ordre plus sur le plan physique. Alors il y a des vœux sur le plan 3D, c'est-à-dire l'espace et le temps. Il y a des voeux euh, sur le niveau énergétique, psycho-émotionnel, euh, où euh, le temps est, est absous, n'existe plus, donc il n'y a que l'espace. Il y a des voeux qui s'adressent à l'univers, où il n'y a ni temps ni espace. Le processus de réalisation des voeux, il passe par ces trois strates. Il passe par trois filtres le filtre du plan physique, la troisième dimension, le plan psycho-émotionnel, la deuxième dimension, dite énergétique, et le plan spirituel, dite troisième, euh, troisième plan, selon les taoïstes. Okay. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne se réalise pas tout le temps, ou à la vitesse qu'on veut Parce que la dimension dans laquelle nous sommes, la troisième dimension, nécessite du temps. Le temps, c'est un peu le gluten du gâteau. Il n'y aurait pas de forme. L'être humain n'aurait pas de forme s'il n'y avait pas ce gluten. Le gâteau n'aurait pas de forme. Et nous, on n'aurait pas de forme. On n'aurait on, on pas de forme. Je veux dire, les, les vœux prennent forme avec le temps. Et tout objet a une forme. C'est comme un ballon qu'on gonfle. Mais pour gonfler un ballon, il faut un souffle. Et il faut souffler dans le ballon. Il faut souffler dans, le, dans ce corps pour qu'il qu prenne une forme. Okay Et pour souffler, il faut une impulsion. Cette impulsion, elle est d'ordre universel. Voilà. Les choses se passent forcément, mais pas comme, comme dit Marge. Pas en temps réel. Ça peut prendre du temps. Et tout dépend en fait de l'impulsion, parce que je vais vous dire l'action de créer un vœu. Oui, l'action de créer un vœu, il se fait à notre niveau sur le plan physique, relié sur le plan euh, psychique et spirituel. Donc notre intention de vouloir quelque chose, de faire un vœu, il passe par le corps et le corps rentre en résonance. Et Il y a un instrument, le site Jules de numérologie chinoise. Je fais une aparté pour autres c'est numérologie très chinoisefr HTTP de point de numérologie-chinoise.fr. Où tu vas sur webinaire au pluriel.denitran.com. Donc, je disais que le processus de matérialisation pouvait prendre du temps, okay. et ce processus passait par un instrument que nous avons. Et euh, cet instrument, c'est cet endroit-là qui est relié au centre, la glande pinéale. Vous avez entendu de ça, la glande pinéale. La glande pinéale, c'est notre imprimante 3D. Donc, la glande pinéale, elle est connectée à l'imprimante qui est le corps. Et nous créons, nous faisons des choses pour le réaliser, où les choses se font par elles-mêmes, par des rencontres, par des synchronicités, par des hasards, hein, euh, par des corps. Et nous créons, nous faisons des choses pour le réaliser, où les choses se font par elles-mêmes, par des rencontres, par des synchronicités, par des hasards, hein, euh, par des corps. Elle passe à travers votre corps et elle provient de là-haut. On dit de là-haut, je dis de là-haut, mais en fait, c'est de partout. Puisque la glande pinéale, a été, il a été prouvé scientifiquement, euh, fonctionne de manière piézoélectrique. C'est comme une radio, c'est un transducteur et en même temps, c'est une ampoule électrique. Okay. Donc, quand vous avez une intention, je parle du troisième Luna. Quand vous avez une intention, l'ampoule va s'allumer, c'est-à-dire le troisième œil va se mettre en action. Okay. Encore faut-il que votre imprimante fonctionne bien, qu'elle ne soit pas calcifiée, etc. Mais ça, c'est un autre problème. L'intention, elle est liée aussi à l'intuition. Et l'intuition, l'intuition, elle semble venir comme ça tout d'un coup euh, à vous. Pourquoi parce que la glande pinéale, elle est comme une antenne, c'est-à-dire que c'est, capte les ondes radio, les radiofréquences. Okay elle capte toutes les informations qui arrivent de votre environnement, euh, de plus loin, des gens que vous avez aimés, que vous aimez. Et tout ça, ça s'imprègne et ça passe à travers vous. Et toute cette information, qui à un moment donné va euh, se concentrer lorsque vous vous, euh, vous avez cette impulsion, c'est-à-dire cette focalisation, cette attention sur ce que vous voulez, et va déclencher. Vous savez le piezoélectrique quand vous a, pour allumer les bougies donc, ou les briquets ben c'est exactement comme ça. Le cerveau, il, le, la glande pinale fonctionne comme si vous allumiez euh, une bougie. Voilà. Quand on n'a plus de thyroïde, la glande pinéale, non, elle n'est pas impactée parce que c'est à un niveau spirituel et énergétique. On la déclassifie en, en, en évitant le fluor, par exemple. Okay, Maya. Oui, Ange. Mais déjà, là, ce soir, je vous parle de 2024, faire des vœux, euh, comment créer des miracles, finalement, dans votre vie. On peut la, la stimuler, victoire, euh, la glande pinéale, si. On vibre suffisamment. Mais la vibration, c'est comme un instrument de musique. C'est nous qui jouons l'instrument de musique pour faire vibrer la glande pinéale. Vous comprenez Vous me suivez Alors, si vous voulez faire vibrer votre glande pinéale pour réaliser vos voeux, euh, il faudrait que vous soyez en face d'une. Euh, que vous criez une fréquence. Hein, cette fréquence, comme tu dis, attirer l'amour, Victoire, c'est une fréquence. Pour atteindre cette fréquence de l'amour, il faut monter jusqu'à cette fréquence. Il faut monter jusqu'à cette fréquence. Et pour la montée, il faut faire des choses qu'on aime. Quand on regarde un film qu'on adore, quand on, quand on fait des choses pour soi, euh, qu'on qu observe la nature, qu'on apprécie, qu'on mange, etc., eh bien, il y a une forme de satisfaction personnelle et de vibration qui commence à faire vibrer le corps. Parce qu'on est content, on est en joie. Donc, quand il y a de la joie, quand il y a de la paix intérieure, quand euh, il y a euh, une forme d'émerveillement, eh bien, pas que le positif, euh, MC, eh bien, le corps commence à vibrer comme une peau de tambour. Et c'est à ce moment-là que lorsque vous... C'est un peu comme si vous mettiez une cartouche dans un fusil, okay et que vous avez qu'une cartouche, et que lorsque cette vibration est assez forte, vous tirez. Et là, quand vous tirez, qu'est-ce que c'est en fait C'est cette impulsion dont je vous parle. Et cette impulsion, c'est un peu comme la jouissance. C'est comme lorsqu'on fait l'amour, et lorsqu'il y a cette jouissance... Ça part. C'est pour ça que dans le tantrisme, dans la sexualité, on peut l'utiliser comme étant un moyen de réalisation, de matérialisation hein, de, de, de nos voeux également. Mais ça, c'est un autre sujet, je n'en parlerai pas ce soir. Donc, retenez que il faut que vous montiez en vibration pour pouvoir actionner ce levier qui est la, la, la glande pinéale. Écoutez de la musique, dansez, euh, faites de l'art, euh, allez dans, dans des, euh, des activités qui vous fassent vibrer, comme un bouchon de champagne, c'est très bien comme un... Et à un moment donné, ça fait pop! Et là, qu'est-ce qui jaillit Eh bien, l'énergie, elle monte, euh, monte d'en bas, donc des organes sexuels souvent, et elle va monter le long de la colonne, ce qu'on appelle la dengue, kundalini, et elle va monter jusqu'au troisième œil, et elle va actionner. Donc, le message va être envoyé. Et ça se déclenche aussi via un traumatisme. Effectivement, Wayne ouais. donc a raison. Quand vous êtes malade, que vous avez un accident, euh, etc., le choc parfois est tellement puissant que vous vous retrouvez hors de votre corps, dans une autre dimension, dans un autre univers. Vous avez tous vécu, je pense, des coïncidences, des synchronicités, des hasards, des accidents, des états, euh, des états alternatifs de conscience modifiée, n'est-ce pas Donc, quand on a un choc, ce n'est pas forcément un accident. C'est-à-dire qu'on peut vous annoncer quelque chose. Vous pouvez voir quelque chose, une scène violente, comme une magnifique scène, et, et tout d'un coup avoir un, une réalisation. C'est-à-dire que le mental il s'arrête d'analyser. Il, il absorbe tout ce qui est là. Okay c'est le, le wow effect que j'ai dit, c'est l'émerveillement. Le, le, et cet émerveillement, il est euh, le moteur de votre réalisation. Donc, c'est pour ça qu'il faut être en joie. Et ça, ça ne peut pas se passer quand on est triste, quand on est en colère. C'est-à-dire que ça peut se passer, mais vous allez de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que grâce à la colère, grâce à la haine, grâce à cette euh, envie, jalousie, vous allez franchir euh, la, la, la frontière entre la lumière et l'ombre. Et vos voeux, s'ils si sont émis avec de la colère, eh bien, ils vont peut-être se réaliser, mais ça sera pas il y a un effet boomerang il ne sera pas forcément euh, euh, bon pour vous à, au long terme ok donc quand on euh, merci cher Elle quand on euh, c'est pour le nouvel an enfin c'est pour la nouvelle année donc quand on quand on fait des vœux pour guérir par exemple c'est très difficile parce qu'on a mal et on souhaite guérir hein et quand on souhaite guérir mais qu'on souffre eh bien, la vibration que nous avons, c'est une vibration de souffrance. Et donc, on ne peut pas réaliser la, la, la guérison. Il faut sortir de cette souffrance. Et comment est-ce qu'on. Euh, merci, Doris. Comment est-ce qu'on sort de cette souffrance Eh bien, c'est le travail qu'on peut faire nous, ensemble. D'accord C'est pour ça que je suis là pour vous aider et pour euh, vous guider. D'accord Donc, vous allez avec moi faire ce soir des vœux. Et ces vœux, je vais vous aider à les réaliser parce que j'en suis l'observateur. Maintenant, si on se penche non pas sur les traditions anciennes, ancestrales, taoïstes, chinoises, hindouistes, etc., mais qu'on qu regarde aujourd'hui la physique quantique, eh bien, vous savez pour la plupart d'entre vous que lorsqu'il lorsqu y a un observateur, même passif, qui regarde un événement, cet événement forcément euh, a une, une interaction avec l'observateur. Merci, Steph. Euh, et cette interaction elle n'est pas faite avec euh, elle n'est pas faite d'intention c'est ça que je voulais vous dire c'est à dire qu'on peut regarder quelque chose comme les enfants regardent avec émerveillement euh, un film de Disney, un dessin animé c'est comme elle éveille, exactement Chérine, et il se passe des choses, mais nous adultes, là Alati nous adultes, nous pouvons souhaiter quelque chose et ensuite observer ce qui se passe. Vous voyez la magie L'âme agit. La magie c'est que nous observons la contemplation. Nathalie le dit très bien, Nathalie Rich dit très bien, c'est que on contemple, on observe et on reste émerveillé. On a émis le vœu et ensuite on regarde ce qui se passe. Et c'est là que les miracles se passent. Le miracle c'est l'observation, la matérialisation d'une intention. Sans que nous ayons à faire quelque chose. Vous voyez que tout à l'heure, je vous disais, il faut faire quelque chose, ou bien vous observez. Et bien là, je parle d'observer. On fait un vœu sans avoir à faire quelque chose pour qu'il se réalise. C'est ça la magie. L'âme agit. Hello Soso, -so, bienvenue. L'âme agit. OK Et l'âme agit parce que l'esprit va, euh, va créer la réalité, hein la réalité que vous souhaitez. Cette réalité, elle est forcément une image. Elle est forcément, salut elle est forcément euh, visuelle. Donc ça veut dire que quand on observe, on a en superposition, comme en 3D, comme dans les jeux vidéo, une image de ce que nous aimerions avoir. Donc admettons que vous avez euh, euh, une photo, euh, une photo d'enfance, et que dans cette photo il y a beaucoup de souffrance, parce que c'était une période de souffrance. Ou admettons Merci marie Que vous vous regardiez aujourd'hui, vous vous êtes pris en selfie sur le lit d'hôpital, triste, dépressive, en train de pleurer, etc. Eh bien, en regardant cette image, en vous détachant de cette image, en le regardant sur votre appareil, vous vous dites Mais là, je suis triste. Mais je peux changer cet état. Comment Je peux changer en, en me regardant, c'est-à-dire que je regarde ma propre photo et je peux tout à fait modifier cette photo. Voilà. Je peux tout à fait modifier cette photo. Comment ben En l'imaginant, en train de sourire, en train de la colorier, euh, en me maquillant. Euh, vous pouvez utiliser des logiciels, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un dédoublement parce qu'on ne peut pas le faire seul. On peut pas le faire seul. C'est-à-dire que si je vous donne des exercices, ben, regardez-vous intérieur, faites de la méditation, c'est très difficile. Ça prend des années et des années et des années. Tandis que si vous regardez, prenez-vous en, en photo dans une situation où vous, vous aimez pas, Oh, je me trouve pas belle. Oh, je me trouve triste. Oh, je me trouve euh, nul. Et vous, derrière, vous vous regardez et vous modifiez la photo. Modifiez la photo avec des applications comme Canva, mettez de la couleur, euh, euh, maquillez vous en joker. Je ne sais pas, moi. Salut, Marie-Christine. Et à partir de là, vous allez voir que le sourire, votre sourire va revenir. Et là, vous, vous modifiez par votre regard qui vous êtes. Vous me suivez tous Ça va Je vous demande de faire cet exercice, en fait. Okay et externaliser c'est ça c'est le outsourcing alpha donc pour réaliser un vœu okay, c'est vous, vous regardez l'appareil photo et dites euh, moi je, je souhaiterais euh, acheter ma maison ou vendre ma maison avoir d'argent ou changer de job euh, voilà mais le sentiment quand vous prenez la photo vous vous aimez pas trop en fait mais vous le faites quand même vous prenez la photo et vous dites « ah ouais mais moi je suis pas dans un je me sens pas belle je me sens pas bien. Ouais, mais bon, Denis m'a dit qu'il fallait prendre la photo. Je prends la photo. OK. Prenez la photo comme. Voilà, vous, vous, vous êtes qui vous êtes. Et là, vous vous regardez ensuite. Vous prenez plusieurs photos. Vous regardez la pire. La pire, celle où vous êtes la plus moche, où vous détestez le plus. OK. Et vous regardez ça et vous dites, ah oh mon dieu, qu'est-ce que je ne m'aime pas dedans. Allez, je vais modifier ça. Prenez un logiciel. Apprenez. Il y a des logiciels gratuits. Modifiez. Imprimez-la, dessinez dessus, mais ne la découpez pas, ne la jetez pas. Et là, pendant que vous faites ça, rigolez, vous faites des petits trucs comme les enfants, ou vous, ou vous demandez à, à votre fils, à un enfant, de le faire pour vous. Mon chéri, est-ce que tu peux changer cette photo et, et colorier cette photo Et il va faire des choses, etc. Eh et bien, le regard que vous avez sur vous est détaché. C'est-à-dire que vous vous, vous vous riez de vous-même, en fait. Et là... On peut mettre un filtre aussi. Et là, qu'est-ce qui va se passer Vous allez modifier une réalité inscrite dans la photo. Parce que la photo sur, sur votre téléphone, c'est quoi Qu'est-ce que c'est cette photo Elle est faite d'impulsions lumineuses. C'est-à-dire que la photo que, que vous avez, qui paraît rigide et fixe, en fait, c'est un écran de télé, c'est une, une image animée. Ce n'est pas une image statique, une photo. Ce sont des pixels. Quand vous appelez la photo, elle s'affiche sur votre écran, et donc c'est un écran lumineux avec des points. Et quand on utilise la lumière, la lumière permet de véhiculer un message. Et ce message, il fait quoi Eh bien ce message, il va transformer, il va transformer, il va. Vous allez retourner en regardant ces impulsions. Et oui, Nadvi Et c'est plus un pâle reflet, elle devient de la lumière. Donc, amusez-vous à faire des collages, à peindre, à modifier, à mettre des mots positifs. Je suis belle, je suis riche, je obtiens tout ce que je veux, je suis honnête, je suis si, je me fais, je, 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 voilà, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est l'exercice. Tu l'as déjà fait, Doris Ok. Eh bien, quand vous êtes dans des états euh, négatifs ou si vous êtes des amis, ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de la vibration. Donc vous avez des amis, des parents qui sont malades, qui ne s'aiment pas, vous les photographiez. Effet miroir là-dessus, oui, c'est les neurones miroirs aussi. Et vous les photographiez et ils vont être fâchés. Ils vont dire Mais pourquoi tu m'as pris, je ne suis pas bien, je ne suis pas photogénique Alors quelqu'un m'a dit Ah, je ne suis pas photohygiénique C'est une esthéticienne qui m'a dit ça. Je dis, c'est ça, oui. Je ne suis pas, pas photohygiénique. On n'est tous pas photohygiénique. <laughs> Donc, euh, prenez la photo de quelqu'un qui est en colère. Ah là là, il va être encore plus en colère. Et là, vous dites rien, bonsoir Claudie, vous modifiez. Admettons, vous avez une dispute avec votre conjoint, avec vos enfants. Prenez la photo voilà, dans la salle. Il y a tout le monde qui, euh, qui, qui fait la gueule dans la maison, vous prenez la photo. Vous la modifiez avant d'aller dormir. Vous la modifiez, c'est tout. Et vous allez voir le lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. Eh bien, c'est de la magie parce que votre âme agit avec la lumière a Été dégagé de cette photo et c'est un support aujourd'hui en 2024. Regardez, notre premier ministre, c'est le plus jeune en 2024. Tout va très vite. Il faut de l'audace, comme il dit, du courage. Okay c'est une optique différente. Max dit très bien pour les photographes voilà un beau tableau en PNL. Ils utilisent ça, cette technique hein, de, de modifier le tableau. Okay et donc, c'est comme un objectif vous pouvez zoomer, faire tout ce que vous voulez. Vous êtes un cinéaste. Vous la vivifiez, c'est ça. Vous faites un tableau multicolore, coloré, vous mettez du parfum, vous mettez des, des, des fleurs, enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi, c'est ça que je souhaite que vous essayiez euh, dans, dans les jours qui viennent. Il faut le faire quand c'est chaud, encore, pour pouvoir euh, le, 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 le réaliser. Okay Et le, le, la photo modifiée... Même si c'est sur l'écran, c'est pas sur forcément sur un papier. Okay, savoir, effectivement, il y a une autre perspective, donc on voit différemment, on a une autre perspective. Euh, merci Lola. Eh bien, elle va intrinsèquement modifier la vibration de cette photo sur l'écran. Voilà, bonobo. Nathalie dit, on prend la photo de famille et on les transforme en bonobo. Voilà, tant que vous riez, on, voilà, le, le, le... tant que vous riez de la photo, vous allez déclencher en vous la joie qui va euh, contrecarrer toutes les, les... <laughs> ça me fait rire, toutes les. Vous êtes drôle quand même. Hein? Tous, tu vois, je perds les mêmes mots. Tous les. <laughs> Qu'est-ce que je voulais dire Les bonobos, incroyable. Euh... Voilà, tout, tout, toutes les énergies toxiques et, né et négatives euh, <laughs> qui sont inscrites dans la photo. Et ça, vous pouvez regarder dans les journaux, les, les, euh, les drames, etc. Vous pouvez mettre un ange et dessiner un ange à côté, dessiner la paix. Vous voyez, faites des collages et vous allez voir, parce que déjà vous, ça va changer votre énergie. Vous serez plus happé par la, 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 la vibration de la photo euh, euh, triste, sinistre, où on voit des enfants mourir, la guerre, euh, des accidents, etc. Mais vous allez Littéralement changer la, la vibration de la photo en disant, oui, la, le crash de l'avion, je vais représenter plein d'anges autour qui vont euh, euh, sauver ces gens. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait ça Basuma, tu prends un logiciel sur, euh, sur ton application comme Canva et tu mets de la couleur, tu dessines avec ton doigt et tu mets des sourires, etc. etc. Modifier la réalité. On est capable de modifier la réalité. C'est ça qu'il faut que vous soyez convaincus. Si 2024 ne devient pas l'année du changement pour vous, elle ne sera jamais parce que vous allez rester dans la même dynamique euh, qu'avant. Dynamique qu D'accord C'est bien de se dire euh, je m'aime, je suis intelligente. Mais maintenant, je vous donne un truc en plus. L'archange Michael, c'est génial, tu viens de faire faire Doris. Donc prenez des images, des magnifiques images, apprenez un petit logiciel, superposez les images, amusez-vous avec les applications du téléphone pour rajouter des couches et des couches de choses que vous aimez. Un Bouddha par-ci, un Jésus par-là, euh, un, un, un morceau du Coran par-là, etc., etc., etc. Et vous mélangez tout ça, et ça fait en fait un tableau. OK Et quand vous regardez ça, vous mettez de la couleur, ça va libérer effectivement, dit Victoire, la glande pinéale. Et c'est parce que le sujet de mon travail, c'est la glande pinéale, comment l'activer okay le, 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 les, les Égyptiens à l'époque, ils avaient fait une pyramide. Donc le triangle, c'est un émetteur extrêmement puissant. Le triangle, d'accord. Hein, euh, et ce triangle au milieu, ils ont représenté la chambre du roi là, avec un canal comme ça. Et ben c'est exactement le troisième œil jusqu'à la chambre du roi et, 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 et le tunnel. Donc ils ont représenté la Grande Pinéale à, à travers la, la pyramide. Et donc ils pouvaient observer les étoiles, ils pouvaient faire plein de choses. Donc, faites-le. Faites-le. Okay. Et, euh, et vous allez voir des résultats stupéfiants. Quand je dis stupéfiants, c'est que d'autres, vous, vous allez croire que c'est dit Waouh, ça arrive, c'est stupéfiant, ça se matérialise. D'autres vont dire c'est un miracle. Et d'autres vont dire, j'y crois pas. Tu me racontes des histoires. Donc, s'il vous plaît, lançons-nous un défi pour réaliser des miracles. Voilà, merci. De afin que la mentalité des gens, la croyance des gens, soit complètement bouleversée. Parce que ce n'est pas par la guerre qu'on va changer les mentalités, c'est par le bouleversement, pas l'émerveillement, parce qu'il y a des gens qui sont dans la tristesse, la colère, la haine, la jalousie. On ne peut pas les rendre heureux du jour au lendemain. Par contre, on peut euh, faire en sorte que leur mental s'arrête et que c'est magique. Ils n'en croient pas leurs yeux. Vous savez l'expression de dire, j'en crois pas mes yeux. Mais ils y croiront toujours pas, sauf qu'ils ont vu un miracle. Mais ils ne pourront pas l'expliquer. Mais ce n'est pas grave. Il y a pendant une seconde, une seconde ou quelques minutes, ils vont être stupéfaits. Vous l'avez déjà certainement vu chez des gens. Quand, ils Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous regardez sans comprendre. Vous, voyez vous savez l'histoire de Christophe Colomb. Quand il est arrivé aux États-Unis, les Indiens euh, de, autochtones qui étaient sur la rive, eux, ne concevaient pas dans leur esprit qu'on pouvait avoir un bateau, c'est-à-dire que le bateau pouvait flotter sur l'eau. Donc, ce qu'ils ont raconté dans leur légende, c'est que des, des hommes blancs marchaient sur la mer parce qu'ils ne voyaient pas le bateau, parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir dans l'esprit que le bateau euh, pouvait exister. Donc, ils ne voyaient que les êtres humains, puisque c'était inconcevable qu'il y ait un, un bateau qui, qui puisse faire ça. Et. On pourrait se dire Jésus, euh, aussi l'histoire de Jésus, il dit Rejoins moi et l'autre qui ne croit pas et il tombe dans l'eau. Vous voyez, il y, y a dès qu'on ne croit pas à quelque chose, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc quand vous faites un miracle, quand vous allez faire cet exercice de changer votre réalité, les gens ne vont pas y croire parce qu'ils ne vont pas le voir, ils vont voir sans voir. Et du coup, ils s'arrêtent. Et oui, Waylong, ouais, ils ont profité de ça. Donc après, attention à l'ego, euh, voilà. Attention à l'ego, quoi. C est, c est, on peut détourner ça. Hook avec Peter Pan et le repas. C'est ça, <laughs> les références. Ouais. OK Maintenant, on va l'appliquer sur la santé. D'accord On va l'appliquer sur la santé. Oui, ce sont des métaphores. Tout est métaphore euh, dans la vie. Si grâce aux métaphores, on peut. Pour circuiter le mental, oui, Jenny. Est-ce que je suis gay et je ris donc je suis un guérisseur? Ok, j'aime rire, euh, j'aime être gay avec mes potes, euh, tout le monde, mes amis. Donc voilà, on est tous des guérisseurs et on est Dieu, demande intérieurement l'énergie universelle et l'unicité, c'est l'univers. On est univers elle on est universel. Ok. Hein Ça vous parle tout ça vous êtes prêt à travailler sur vous maintenant ok on va travailler sur euh, nous maintenant okay. pour me contacter faille euh... bonsoir ingrid pour me contacter il faut voir dans ma bio une soignante ok parfait écoutez je représente autour de moi la lumière que nous avons tous grâce ah, à un filtre. Et cette lumière, lorsque vous faites un moindre geste, vous voyez, je bouge à peine et il y a un arc électrique, électromagnétique. C'est ce qui se passe. Les instruments électroniques sont capables de le voir aujourd'hui. Donc ce n'est pas de la magie, ce n'est pas l'âme, c'est électrique. C'est parce que nous sommes dans la troisième dimension qui se passe ça. Donc il n'y a rien de spectaculaire, c'est juste un phénomène scientifique prouvé. Donc quand vous faites ça, vous manipulez le champ énergétique de votre corps. Et c'est ça que je veux que vous fassiez. Je veux que vous vous, vous peigniez et que vous nettoyez votre corps comme si vous étiez à la douche. L'aura, oui, tout à fait. C'est électromagnétique et lumineux. Allez. On se nettoie, j'aimerais que vous vous nettoyez le corps comme si vous passiez le gant de toilette sur tout le corps. OK Et les jambes aussi, n'oubliez pas. Vous pouvez vous lever, et faire ça. Allez, continuez, continuez. Alors, vous pouvez avoir un gant de crin, vous savez, comme dans les hammams, et frotter fortement. Comme vous pouvez avoir un gant de toilette doux et le faire doucement. Comme vous pouvez avoir un, une éponge et vous laver tout doucement. Ok. Nettoyez-vous, enlevez. Euh, on arrive à la voir, Michel, pas toutes, mais les deux trois premières, les deux premières en tout cas, oui. Salut Biotti. Regarde, c'est énergie de guérison, le, le nom de mon compte. Orhamam. Hamam, Sabrina, ton fils est avec toi. Allez, nettoyez le dos. Vous imaginez que vous avez une grosse paluche et vous nettoyez comme ça en arrière le dos. D'accord Ça y est, vous faites un gommage. Vous êtes au Hamam. Euh... Allez. Non, c'est basé sur du chikon médical, sur de la méditation, c'est basé sur pas mal de techniques. Beauty. Allez, on nettoie, on nettoie. Donc on est en train de se nettoyer. Il est important de se nettoyer, vous vous, vous les maquillez, mesdames, j'espère. Vous n'allez pas garder votre maquillage pendant des jours et des jours. Eh bien là, euh, euh, on se nettoie parce qu'on enlève les particules magnétiques, électromagnétiques, électriques, la chaleur, la, la, toutes les particules lumineuses qui sont inscrites dans notre champ. Hein, C'est comme la Terre a, a, a une gravité, et nous avons aussi une forme de gravité, donc qui retient les particules. Lumineuses, les, les particules électromagnétiques, les particules électriques, etc. Donc là, on est en train de. Hamam! <laughs> de nettoyer toutes ces parties. C'est un peu comme un tapis qu'on tape. Voilà. Mais voilà, je t'explique, Pioti. Ok. C'est bon? Protégez les mains? Secouez les mains. <laughs> il regarde Sabrina. Comment il s'appelle Oui, habillé, habillé, Jenny. Et vous jetez. Okay vous allez imaginer que dans les exercices que je vais vous faire, il y a une poubelle jaune de recyclage à droite et une poubelle verte à gauche. Alors pour ceux qui connaissent un peu la médecine chinoise, la gauche correspond au foie et c'est de couleur vert selon les Chinois. Et la droite... C'est la rate et l'estomac, ça correspond à la couleur jaune. C'est pour ça. Alors, la, la jus d'orange, c'est comme ça. Si tu fais ça, ok, pour la calvitie, tu enlèves la chaleur excessive qui y a au niveau de ta tête. C'est pour ça que ça... Euh... Non, Marina, je suis d'origine euh, vietnamienne. Mais je suis né chez les pygmées du Gabon. Je suis plus africain que français, là. Ou vietnamien, même. Donc, voilà. Je suis multicolore multicouleur. Ah, tu es gabonaise, beauty toi aussi. Moi, je suis né à les Bambas. Au Gabon. Allez. Pardon, la droite, pardon. C'est bien, Christina, pardon. Euh, Christina vient de me... Parce que comme je suis à l'inverse dans l'écran, Christina Titine vient de me corriger. La gauche, c'est la rate. Donc, c'est la couleur jaune. Et la droite, c'est le foie. Donc, la couleur verte. Merci, Christina. Merci de me corriger. Ah, tu es de Mounana. Dis donc, tu étais à Libreville aussi, Viviana. Ok, d'abord. Ok, comment vous sentez Ça va mieux Ça va mieux On va traiter maintenant, Jacqueline, tous les autres. Euh, tout, tout les, les, euh, vous, je vous demande de m'interrompre quand je me trompe. Je ne suis qu'un humain. Okay Et je me trompe comme tout le monde. Allez, maintenant. À gauche, c'est jaune. À droite, c'est vert. C'est bon? Maintenant, regardez. Ouvrez les mains. Okay Et essayez de sentir le poids dans votre main. Invoquez la lumière. Invoquer la lumière, ça veut dire que je demande à la lumière de venir dans ma main. Imaginez que la lumière, elle descende comme ça dans, dans votre main. Okay Donc, vous pouvez faire ça. Admettons, allez, il y a comme un robinet de lumière qui tombe dans votre main. Okay C'est bon L'autre côté aussi. Maintenant, vous attendez. Quelle est la main la plus lourde Quelle est la main qui reçoit le plus de quantité de lumière dans la sensation Droite ou gauche Oui, ça pique, Michel. La gauche pour Angel, la droite. OK. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une sensation. D'accord Maintenant, vous allez prendre cette, euh, cette euh, lumière. Bon, admettons que moi, c'est ma gauche. Vous voyez à l'écran, ma gauche, c'est ma droite en fait. Mais moi, c'est ma gauche. <laughs> c'est bizarre, hein, les miroirs. Donc, prenez votre main. La plus lourde, vous la laissez. Okay le boxeur, je te dirai après en fait le yin et le yang. La main la plus légère, vous allez verser comme si vous étiez en train de verser, euh, comme si vous étiez en train de verser euh, un liquide, du thé par exemple. Ok, on est en train de faire le yin et le yang en fait. Le yin et le yang, c'est comme le thé. La tasse est le yin et le yang, c'est le thé parce que c'est brûlant. Tandis que le, la tasse elle est froide, okay? Le Yin c'est la femme, réceptacle, et l'homme c'est Yang parce qu'il donne, ok? Il ensemence et la femme elle elle reçoit l'homme, c'est ça le Yin, yin. c'est les deux polarités. Le plus de la pile est Yang, le moins de la pile est Yin, ok? Tu pas obligé de toucher la main, mais est-ce que vous sentez, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se verse dans votre, dans votre main? Okay, maintenant vous allez transvaser. Imaginez que vous faites un thé chaud, un thé, un thé à la menthe comme chez les Marocains. Ok, versez le thé, reversez le thé. Oui, qui s'échappe. Reversez, reversez. Ah, tes animaux veulent être nettoyés. S'approche de toi, Doris. Donc on est trop, on est en train de faire du thé, okay. thé énergétique, je dirais. Et en fait, on est en train de concentrer. Euh, tu peux être assis debout comme tu veux. On est en train de concentrer l'énergie yin et yang. Oui, Paul Jacob, c'est comme euh, Wing Chun. <laughs> tu fais du Wing Chun, alors. OK. Maintenant, vous allez... OK, vous allez continuer. Continuez à le faire. Continuez à le faire. OK, et... Vous allez en fait commencer à, à créer la boule. Voilà, tournez, tournez. Voilà. Pendant que vous tournez, vous allez dire avec moi :« Je fais le vœu de... » Bonsoir Corinne. Tu commences, c'est bien. Tu commences. Je fais le vœu de quoi Allez, c'est pas la peine de me marquer, sinon vous allez devoir détacher. Vous le marquerez après. Dites, je fais le vœu de réussir mes examens. Je fais le vœu de euh, d'arrêter de fumer. Je fais le vœu euh, d'avoir une nouvelle voiture. Je fais le vœu de pouvoir vendre ma maison. Je fais le vœu de, de que ce que vous voulez. Et vous chargez la main comme ça. Allez, on y va. oui, exactement. <laughs> Il y a du Naruto aussi. Ok. Donc, comme dit Françoise, elle a bien résumé ce que je voulais vous dire, c'est apprendre à former les voeux. Donc voilà, vous, vous, vous êtes en train de former une boule d'énergie en mettant la pensée. Et là, vous êtes en train de faire activer le troisième œil, la, la glande pinéale, qui se met à l'œuvre et que vous concentrez dans une boule d'énergie. Oh, tu n'as pas besoin d'être convaincu, Beauty. Quand tu prends une mangue sur l'arbre, tu n'as pas à être convaincu, tu la prends, c'est tout. Quand tu manges la mangue, tu ne vas pas à être convaincu, tu la manges, c'est tout. Quand tu allumes la lumière, tu appuies sur l'interrupteur, tu ne vas pas à être convaincu de ce que tu fais, tu le fais, c'est tout. OK Ça y est Concentrez. Dites Je souhaite, je fais le vœu en 2024, ici, présentement, sur Terre, le 10 janvier 2024, je souhaite ceci, cela. D'accord Ça y est c'est frais C'est fait Maintenant, on va l'absorber. On va l'absorber par la bouche. Vous allez faire comme si vous alliez boire un verre d'eau. Et vous allez le boire, vous allez inspirer. Cette énergie me guérit de mon cancer. Buvez, 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 avalez la salive. Frottez les mains. Jetez les mains. Tiking, exactement, Ocean Diver. Et on recommence. Frottez les mains. Ouvrez les mains. Recevez l'énergie du ciel. Qu'est-ce qui. Voilà. Recevez. Est-ce que vous ressentez On va faire un deuxième vœu. OK On va en faire trois en tout. Deuxième vœu. Pendant que l'énergie de la lumière arrive dans vos mains, pensez à votre vœu. Qu'est-ce que je vais souhaiter maintenant Je vais souhaiter que cette personne se rétablisse. Ok, pour moi c'est ça. Qu'il n'y ait plus de soucis. Par exemple. Ou c'est pour vous que je ne souffre plus. Ok, mélangez. Faites comme le thé. Je verse dans ma main. Je verse de l'autre. Je verse et je verse. Maintenant, je fais une boule et je répète. Je fais le vœu. Oui, on peut faire pour le, le vœu pour quelqu'un d'autre. je souhaite que telle personne, hein, euh, vous dites le nom, puisse guérir de son cancer, puisse aller mieux dès demain, puisse être apaisée dans, dans sa colère, etc. etc. Allez, dites-le au nom de ce qui tu veux. Il n'y a pas de au nom de qui, c'est toi qui le dis. C'est toi la divinité. Donc, faites-le. Pour la bipolarité, c'est vraiment dans le ventre de ta maman que ça s'est passé. Donc, il faut comprendre pourquoi ta mère a eu un problème au quatrième, cinquième mois. Demande-lui. Et du coup, ça crée une bipolarité chez toi. Par exemple, si c'est toi. OK Allez, merci chakra. C'est bon Ça chauffe les mains Allez, on va faire comme un... Cette fois-ci, on va l'absorber. Vous allez la réduire comme une petite boule. Dites encore, je souhaite que... Salut Asia, faites une petite boule et vous allez l'absorber. Mélangez la bouche. Avec la salive. Avaler. Tu vois, la bipolarité, c'est ton mari. Pourquoi Parce que sa mère, effectivement, a vécu quelque chose. Et donc, peut-être n'a pas voulu. Et donc, ça a créé cette bipolarité. OK Merci à Allez, on va faire une troisième fois. Donc, ceux qui sont malades, etc., c'est doudou. Ça, c'est la magie. Non, c'est le qigong. Euh, allez, c'est des séances de guérison. Allez, salut Fat. Recevez la lumière. Demandez la lumière. Invoquez la lumière. Je demande la lumière. Brûlure de bouche. Euh, Maria, il faut que tu prennes vinaigre de cidre de pomme avec du, de l'eau, comme un sirop, et tu te gargarises, et tu, voilà, pendant trois minutes. Les maladies chroniques, zouzou, ça tu fais exactement ce que je suis en train de faire. Allez, les acouphènes, pareil. Prenez, maintenant, vous allez souhaiter quelque chose pour vous. Guérir de l'arthrose, guérir des crises d'angoisse, guérir des acouphènes, guérir des vertiges, etc. D'accord C'est bon Ton père faisait faire ça C'est bien, c'est top euh, Oui, il y a des gestes de magnétiseur, mais on utilise la, la loi de la vibration, de l'intention, de l'attraction. On utilise la lumière, on utilise... Euh, voilà, c'est du taoïsme. OK Allez, on verse et on mélange le, le yin et le yang. Parce qu'on a mélangé deux énergies. C'est comme ça que ça marche. Ça marche parce qu'il y a deux polarités différentes. OK Maintenant, si d'autres de pommes... voilà. Maintenant, on va se guérir soi. Okay Et on peut le faire sur les autres. Par exemple, Jenny, si elle a un AVC, tu fais tous les jours un peu, un peu, un peu, un peu. Donc voilà, on, on dit je souhaite ne plus avoir mal à tel endroit. Je souhaite que mon zona disparaisse. Je souhaite que mes acouphènes disparaissent. Je souhaite que euh, mon arthrose ne me fasse plus mal. Euh, je, je souhaite que ceci. Oui, je fais des cours d'un Nobel. Tu vas sur euh, mon site denitran.com ou webinaire au pluriel.denitran.com. Ok Allez. Souhaiter quelque chose pour vous. Qu'est-ce que vous voulez guérir de vous Mélangez et souhaiter. Formation, c'est webinaire.denitraine.com Merci. Vous tapez http webinaire C'est prêt Maintenant, on ne guérit pas de la bipolarité. On améliore des, des états. Okay on diminue les symptômes. Mais moi, je pense qu'on peut tout faire. Allez, vous allez l'appliquer là où vous avez mal. Par exemple, vous avez... Euh, mal à l'épaule, vous appliquez ça au niveau de l'épaule. Okay Là, pendant un certain temps. Et vous recommencez la manipulation. Vous le recommencez plusieurs fois. Okay Comme si vous mettiez un pansement ou, ou du, de l'argile. Si vous avez mal au cou, vous faites ça. Pour la dépression, vous la mettez ici au niveau du cœur. Pour le poids, vous faites en sorte que le poids, il descende dans les pieds. Il disparaît dans les pieds. C'est bon Le stress, c'est au niveau du cœur également. La ménopause, tu le mets au niveau euh, des organes sexuels. Ok Donc, vous avez compris le principe. Salut morgan ça va bien Donc, je souhaite guérir de cette douleur, que cette douleur disparaisse, les douleurs des intestins, etc. Et donc, je pose ce, ce médicament, l'addiction au sucre, c'est la rate estomac, c'est-à-dire sur ta gauche ici. Okay. Tu poses à l'intérieur, comme si tu mettais un médicament à l'intérieur. D'accord Vous absorbez le médicament. Perdre du poids, ben tu fais glisser tes mains vers tes pieds vers le sol, comme si tu enlevais le poids de ton corps. Okay. Salut. Tu sonnes comme ça, les chroniques, ah, c'est bien. Continuez, 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 continuez. Ok Continuez. Chaque fois, vous faites la, la, la boule. Comme vous le sentez, la chieuse de TikTok. <laughs> comme vous le sentez. Dès que ça ferme une plaie aussi, tu dis, je souhaite que cette énergie ferme la plaie au pied. Et tu la poses sur ton pied, là, à l'endroit, comme ça. La chimio, victoire, c'est après la chimio que tu te dois faire ça. Par exemple, tu fais une chimio poumon ou quoi tu dis merci Victoire, tu dis voilà, que, cette, euh, que cette boule d'énergie enlève les effets secondaires de la chimio et tu la mets à l'endroit où tu as reçu la chimio. Ok C'est bon pour vous Maladie de peau, tu mets sur toute ta peau, tu le nettoies, Mich Michel. Comme si tu avais. Euh... Alors, donnez-moi le feedback. Comment vous vous sentez Ça fait du bien, Farfalina C'est-à-dire, explique. La dépression, tu le mets ici. Mieux, user Bonsoir, Brico. C'est bien, Sabrina. Ton fils, il fait ça aussi <laughs> Et ta débriété Ta quicardie, tu mets au cœur. Moins de douleur orange, c'est très bien. Stress et angoisse, tu mets ici. Tu bailles beaucoup, c'est normal parce que tu fais venir de l'oxygène, tu changes, tu amplifies. Un apaisement, très bien. Je suis une bête personne ou une belle personne Un <laughs> Bricot. <laughs> ok. Tu fais des renvois, c'est bien. Ça veut dire que tu sors des choses dont tu n'as pas besoin. La tête, Lydza, ouais, tu fais ça. Comme je t'ai dit, on va, on va, on va, on va. Ok. Donc continuez à vous nettoyer comme ça. Si j'étais Raph de Tomri, j'y suis plus. Tu es de là-bas, Raph? Allez, nettoyer. L'addiction au sucre, il faut faire ça. Euh, que cette addiction disparaisse, tu la mets ici sur le... Le formiment, oui, c'est normal, parce que tu montes en vibration. On dit que tu passes en cinquième, vibra... cinquième dimension. Salut, Moka. Okay. Tu as les larmes aux yeux, c'est très bien, chérie. Problème aux yeux, tu fais ça, tu dis mes problèmes aux yeux s'améliorent, et tu mets aux yeux. Tu le fais autant que tu veux, Taco. Tu te sens fatigué, Alia, ne force pas. Ok. Bonsoir, Elise. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va, on va faire un, un exercice euh, différent. Toujours, ok, je veux donner ma, des variantes. On est en train d'apprendre à faire des vœux et matérialiser. Donc, vous allez demander en fait. Un vœu, le vœu ça peut-être vous soigner, enlever le diabète, le sucre. Ok, allez, ouvrez les mains, réunissez-les comme ça, demandez. Je demande euh, de ne plus souffrir euh, sur le bassin ou les vertèbres. T'as une sensation de fourmi, c'est normal. Vous rassemblez comme ça, au-dessus de la tête, hein au-dessus de la tête. Rassemblez, sentez, ramenez les mains le long du corps. Amenez-le dans le ventre. On tousse, c'est normal. Et regardez comment je fais sur le ventre. Je le rentre dans le ventre. On continue. J'inspire, je fais ma demande. Je demande à être guéri, par exemple. Je descends. Oui, on peut faire quelqu'un à distance pour le diabète. Et j'expire. J'expire. Je, on continue. Demandez. Je demande la guérison pour un tel ou pour moi, à tel endroit. J'inspire. J'expire quand je pose mes mains sur le ventre. Encore. Je demande. En inspirant par le nez, j'expire par la bouche et je pose mes mains sur le ventre. Hé hey, Raph, comment vas-tu? Bienvenue. Inspire. Oui, Christina, je vais euh, le, le mettre sur mon YouTube. Tu tapes tiktok.denitran.com. Ça va, Raph Swan, il va bien Inspire. Expire. Encore une dernière fois. Inspire. Expire. C'est bon Vous êtes dans la même classe, Raf, toi et Swan Qu'est-ce que vous sentez Allez. Faites-moi des likes pendant que vous me répondez là. Est-ce que vous sentez de la vibration, de la chaleur, de la fatigue, les yeux qui se ferment Vous avez en de. Voilà, malaise vagal. Parce que c'est la respiration ça. Est-ce que vous avez soif Est-ce que vous avez envie de pleurer Ça chauffe Ok, Victoire, ça veut dire que tu n'en as pas besoin, c'est très bien. Tu as les mains chaudes, c'est bien. Plénitude, doigt qui siffle. Ah, on pense à toi. <laughs> Épaules lourdes, ok. Légèreté. Karine, le corps qui vibre, très bien. Tu bailles. Ok. Donc, troisième exercice maintenant. Ok Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos mains et vous allez aller là où vous avez mal. Ça peut être une photo de quelqu'un aussi, hein sur le portable ou un livre ou un album photo. Merci Adele, merci. Et, tout. et vous allez faire ce geste, regardez comment je fais. Vous allez saisir. Okay, c'est important de faire ce geste. Pourquoi Parce que... Euh, je vais vous donner un exemple. Regardez, vous voyez les petites boules comme ça C'est ça en fait. C'est ça qu'on prend en fait. C'est comme des morceaux de poussière qui flottent autour de nous. Tout ça, ce que vous voyez, c'est ce que les, les, dans les pays arabes, ils appellent des djinns. Chez nous. En Asie, on appelle des formes-esprit. Ce sont des entités hein, qui se baladent autour. Mais ces entités, là, c'est de la conscience, avec des mauvaises pensées ou des bonnes pensées. Et pourquoi ça flotte Parce que c'est dans la maison. Si la maison, des orbes, c'est pas des orbes. Si dans la maison, euh, la maison, elle date depuis plus de 200, 300 ans, forcément, il y en a beaucoup comme ça. Si la maison vient d'être construite, il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous habitez au-dessus d'un cimetière ou ben, à, à côté, il y aura beaucoup de petits trucs comme ça. Si vous habitez près d'un hôpital, près d'une église, près d'un lieu où il y a de la guerre, un lieu historique, il y aura beaucoup de ces petites choses-là. Donc quand je vous demande de, de retirer, c'est quoi C'est que dans votre corps, la souffrance, le lieu où vous avez mal, il y a plein de petites choses comme ça. Voilà Stéphanie, ça vient de te déboucher, tant mieux. Donc, vous allez faire ça parce que si vous avez mal, ça veut dire qu'il y a trop de petites boules comme ça. Il y a trop de petits esprits qui sont logés autour de l'épaule, par exemple, si vous avez mal à l'épaule. Ce sont des formes-esprits, pas des esprits, des formes-esprits. C'est comme un cloud, c'est comme Dropbox, c'est comme Google Drive, c'est comme, etc. C'est que des informations. Tous les gens qui ont de la colère vont se mettre dans un cloud, un, un disque dur qui s'appelle colère. OK Miss Bandit Jean, oui. Tous ceux... Donc, il y a le djinn de la colère, le djinn de la haine, le djinn de la jalousie, le djinn de la perversion, le djinn euh, de l'abondance, la, de le djinn de la richesse, donc le djinn du succès, le djinn de l'intérêt. Il y a tout. OK Donc, allez à dépression, par exemple, cœur. Faites ça. Enlevez et jetez sur la droite, dans la poubelle de droite, la poubelle verte. Donc, si ton corps, Lidisa, te fait mal, c'est que tu as plein de petites boules comme ça autour de toi et donc il faut que tu saisisses. Et tu sais, on a vous savez, on a les petits euh, l'argent, c'est autre chose, je vais te dire. C'est vous savez les petites boules qu'on qu appuie là dans les enveloppes là pap, 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 pap. c'est un peu ça. Pap pap, pap, pap. sauf que je le fais rapidement pap pap, 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 pap. L'anxiété c'est ici, c'est le cœur. Toutes les émotions, c'est au niveau du cœur. La tristesse, les émotions, tout c'est ici. La claustrophobie c'est ici aussi. Tout ce qui est émotion c'est la poitrine. Tout ce qui est procréation sexualité c'est en bas. Tout ce qui est argent c'est différent, c'est l'art des gens. Okay l'art des gens c'est le contact avec les gens. Donc le contact avec les gens c'est la peau. Donc c'est ça. Tout ça c'est des liens toxiques ça. Pourquoi Si quelqu'un vous parle tout le temps, vous pollue tout le temps, vous envoie de la sorcellerie, du mauvais œil, ça va se représenter comme ça. Mais vous en aurez trop autour de vous comme des satellites. Vous allez respirer ça. Et c'est ça qui va faire que vous êtes malade. Vous voyez Donc, il faut enlever ça comme vous vous l'avez. Il faut l'enlever. Il faut, il faut vraiment enlever ça. Ça se colle à vous. Regardez, c'est comme un nuage ici, et vous, vous vivez avec. Et là, ça rentre par l'oreille, ça rentre par là. Vous avez des migraines partout. Là, donc j'enlève. J'enlève ça. Je fais disparaître ça. C'est comme un feu. Tiens, j'ai une inflammation, j'ai mal, j'éteins le feu. Oui Le problème, lorsqu'il est localisé, c'est comme la claustrophobie, c'est ici. J'enlève ma claustrophobie. Allez, faites-le. Il n'y a pas à croire, il y a à faire les choses. Il ne faut pas dire, j'aimerais tellement, Fanny, que ça marche. Si je te dis allume la lumière, tu vas allumer la lumière. Tu ne vas pas dire j'espère que la lumière va surgir. Je dis appuie la, le, le bouton et la lumière s'allume. Donc, faites. Miasténie oculaire, c'est ça. Tac, 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 tac. Donc, Nanobel, tout ce que je fais, c'est ce que j'enseigne en, en Qigong médical. Okay. Ah, salut Riyad. Problème poumon, Zouzou, tu fais ça. Mal de gorge, tu fais ça, Franck. Tu l'enlèves de la gorge. Il faut enlever le problème. Oui, oui, je fais des, Caroline, je fais des, des coachings aussi, euh, ce que j'appelle moi des coachings énergétiques. Euh, voilà. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est en, en relation, en fait. Parce que tout est en relation avec les énergies, euh, euh, comme le dit Angel Lange, OK? Et euh, les problèmes de cheveux, c'est, voilà. tu Le stress, c'est ça. Le stress, c'est ici. Alzheimer. Euh, ça c'est plus dur, mais ça part ça part du cœur également dans le sens où c'est il y a beaucoup d'émotionnel. Épuisement Covid, eh bien c'est les reins. Donc tu le fais au niveau des reins, Sarah. Ok Maintenant, je vais euh, mal la jambe gauche, tu fais sur la gauche. et la cervicale, tu fais ça au niveau de, des cervicales. Tu enlèves le problème au niveau des cervicales. Comprenez que ce n'est pas un vœu qu'on fait. Ok Pour enlever le mauvais œil pour enlever une souffrance, il faut aller là où est la souffrance. Il faut regarder la souffrance en face. Si c'est là, vous allez là, vous prenez la main et vous le jetez. Ok C'est tout. Il faut visualiser. Tu peux enlever les migraines, bien sûr. Les migraines, ça s'enlève comme ça. Les rides aussi. Mais il faut toucher la peau comme ça. Il faut carrément toucher la peau, comme si tu effaçais avec euh, une gomme. Tu enlèves l'esprit de la boule du genou de ton fils, oui. Exactement, bravo. Vous avez compris le principe. Maladie mentale, tu prends comme ça maladie mentale et tu tu jettes à droite, toujours à droite. OK Il faut le faire comme tu veux Sarah. Comme tu le ressens. OK Maintenant, la sinusite, tu l'enlèves comme ça. Tu enlèves la sinusite. Problème de peau sur le visage, tu enlèves le problème de peau. Si c'est là, tu enlèves ça. D'accord L'esprit est très puissant, sachez-le. À droite parce que dans l'hindouisme l'énergie descend vers la terre et à gauche elle monte donc c'est comme euh, si tu conduis ta voiture tu craches par la fenêtre ouverte le crachat il va revenir sur ta, ta tête <laughs> donc vaut mieux que tu la mettes dans la poubelle à droite dans ta voiture <laughs> myopie presbytie tu fais là le rein il faut le nourrir donc maintenant tu fais pour le stress ness ça marche ok Maintenant, voilà, tu, tu donnes à la lumière intérieure. La tachycardie, tu le mets là. La fièvre, tu l'enlèves comme ça. Nat. Ok Perdre du poids. Tu... Le, le poids, ça veut dire que tu as trop d'amour concentré en toi. Tu ne donnes pas assez d'amour. Tu l'as gardé pour toi. Donc, il faut que tu donnes de l'amour pour perdre du poids. Quand on est amoureux, généralement, on perd beaucoup de poids. Enfin, pas tout le monde, mais on perd généralement du poids. Sauf les hommes qui aiment les femmes fortes. Ok euh, la fréquence, la lumière, tu fais comme lorsque tu as faim. Tu manges comme tu as faim. Voilà. Tu fais comme tu en as envie. ok Maintenant, vous allez, je vais mettre ma main comme ça. Vous allez regarder cette boule. Tibétain, oui. Aloha, comment tu sais? Et vous allez prendre avec votre main cette lumière et vous allez la mettre là où vous voulez dans votre corps. On y va. L'amour ne fait pas grossir. L'amour remplit, mais ne fait pas grossir. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes africaines parce qu'elles sont fortes, elles sont rondes, parce que la rondeur représente la féminité, la, la matrice représente la fertilité. Comprenez Allez, salut José. <laughs> C'est que des analogies, c'est du symbole et des euh, comment on appelle ça, des métaphores. L'esprit, tu sais, il faut le, 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 le tromper parfois pour pas qu'il reste collé dans, dans ses croyances euh, limitantes. Allez, vous prenez et vous dites, ok, cette partie de lumière, comme je peux pas le faire, l'odorat, tu mets ça, la rose dans le nez, ok Vous prenez cette lumière et vous dites, voilà, moi je prends cette part de lumière. Qu'on me donne. La fatigue, c'est euh, les reins. Donc, tu mets les mains derrière le dos. L'arrêt du tabac, c'est les poumons. Oh, j'ai un record. On est 500 à... sur le live. 500. Alors là, je crois que j'ai le record de nouvelle année. là. Les acouphènes, tu les mets dans les oreilles et les reins, Nicole. Tomber enceinte dix ans, c'est que soit ce n'est pas le bon moment, soit ce n'est pas la bonne personne, ou ce n'est pas le bon lieu. Oui, manque de feu, c'est ça Doris. La graisse au vent, tu prends et tu enlèves la graisse et tu donnes. La graisse, c'est comme l'amour, c'est de l'énergie. Ça va Cancer de lymphatique, tu prends et tu draines. L'asthme, tu prends là et les reins aussi. Le tabac, c'est là, c'est le cœur. Le mal de dos, tu prends au dos, au score et tu jettes. Dépression, addiction, même chose, ici. OK Tu prends toute la poitrine et sur les côtés aussi, les hippocondes là. Foie, ATSMA. Qu'est-ce que euh, la tendinite Tu prends au niveau de la tendinite. Et là. OK. Maintenant, c'est à moi de, 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 de vous demander quelque chose. Je vais vous envoyer. Euh, de l'énergie, et vous allez me marquer ce que vous voulez. Insuffisance rénale Ok, allez, on commence. Je demande à mon âme d'interagir avec votre âme et de pouvoir euh, vous soulager hein, de, des problèmes que vous avez de l'arthrose de Chantal, okay. du, du rein gauche atrophié de Carole, la sciatique de l'Amazone, la sinusite, l'arthrose, la scoliose. Tout ça, je demande à que toutes ces remontées acides, les profusions discales, la névralgie intercostale, la vermifuge en général, l'asthme, puissent tout ça se résoudre, la myopie, la fibromyalgie, la thyroïde Hashimoto, les vomissements et la le mal à l'épaule, le mal de dos, le fait de grossir, okay, le problème d'estomac, la tendinite, la polyarthrite, le vertige, l'hépatite B, okay, les constipations chroniques, les maladies de Lyme et de candidose, les sinusites, les mâles de partout, les préménopause, hein, le mal de tête la son fils qui a une boule au genou, les douleurs articulaires, l'angoisse, le mal de dos, les acouphènes, okay. les acouphènes, la nuque, les problèmes d'estomac, la tendinite, je demande à que vos âmes, perdent du poids, etc., que toutes vos âmes répondent à mon appel et à l'appel de votre propre âme, qu'elle vous écoute et qu'elle réalise pour vous ce que vous lui demandez. C'est un vœu, un vœu. Honnête, afin que vous puissiez retrouver votre lumière et que vous puissiez continuer sur votre route, parce qu'il est important qu'en 2024, vous puissiez continuer sur votre route sans vous désespérer. Donc, le ronflement, l'arthrose, la péricardie. Je demande à ce que vos âmes interagissent avec vous et puissent immédiatement réaliser euh, ce que vous avez souhaité. Les vœux de nouvelle année se réalisent parce que vous y croyez simplement, et parce que vous l'avez demandé, donc on vous répond. L'univers répond toujours à ce qu'on a demandé. Donc, demandez avec bienveillance, OK? Ce que vous avez envie de demander, pour vous d'abord, pas pour les autres, pour vous, OK? Afin de pouvoir obtenir très rapidement, et je dis bien très rapidement, dans les jours qui suivent ou instantanément, dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, dans les mois qui suivent, allez trois mois maximum, tout ce que vous avez demandé, hein, la chance, l'argent, la protection, la santé, la perte de poids, etc., sans que vous ayez particulièrement à faire des efforts, mais que vous ayez conscience de cette demande et que vous ayez de la discipline et que de la patience, de la persévérance et de que vous puissiez continuer sur votre chemin sans faire de mal à vous-même ni aux autres faites à vous-même ce que vous souhaiteriez qu'on vous fasse comment on vous traite très bien OK voilà c'est parti le message est parti comment vous sentez-vous Tourni, très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont moins mal ou plus mal du tout Carole est bouillante, très bien. Tu respires mieux, Stéphanie. Corps chaud, c'est normal. Dès que vous avez chaud, c'est bien. Les intestins, ça va mieux. Le moral, hein? ok. Fatigue, ok. T'as plus mal du tout. Zen. Relaxé. Vibrant. Corps chaud. T'as moins de graisse. <laughs> T'as plus de grâce et moins de graisse. Grâce. Merci Lolo. T'as une boule ou ça, la rose Plus zen, apaisé. Ok. Très bien. Maigri, direct, 10 kilos. Ils ont donné de l'amour. <laughs> Adeline. Tu te sens doré D'accord. Bon, ben c'est bien, tout le monde. Ok. Donc, pour résumer, envie euh, de dormir, dormir c'est bien. Pour résumer ce qu'on a fait ce soir, on a parlé de vœux. C'était la thématique de ce soir, les vœux. Qu'est-ce qu'un vœu Comment fait-on un vœu, fait un vœu Vouloir quelque chose, ça ne suffit pas. Il faut avoir l'intention de le réaliser. Donc, ça veut dire se mettre en action. Donc, sachant cela, le corps est prêt à agir. Et donc, dès que le corps est prêt à agir, l'univers répond à ça. Comme on dit chez les chrétiens, aide-toi et Dieu t'aidera. Donc, fais le premier pas, l'univers t'aidera ensuite. C'est comme à la banque. Tu as fait un apport de 30 de 20 de la somme, la banque va te prêter. Et ben c'est pareil pour nous sur Terre. Tu fais une action, tu dis OK, je suis prêt à travailler pour ce que je veux obtenir. Je suis prêt à investir. OK. Dieu c'est Allah, Dieu c'est Bouddha, Dieu c'est qui vous voulez, mais Dieu, l'anagramme de Dieu, rappelez-vous, c'est Demande intérieurement l'énergie universelle, quel que soit le nom qu'on lui attribue. Demande à l'intérieur de toi l'énergie de l'univers. Maintenant, tu mets le nom que tu veux. Ok Donc ici, c'est ni chrétien, ni bouddhiste, ni Taoïste, pas tout ça. C'est simplement universel. Ok On est tous universels. Ah, ton ton chien, il vient Oui, parce que d'habitude les chiens ils viennent quand ils sentent l'énergie. Cette énergie-là. Donc, on peut communiquer avec les animaux quand on est dans euh, cette énergie de de, de vœux. Et, et le vœu, c'est pas je veux, ok C'est même pas je souhaite. Hein Le, le vœu, c'est je demande. Je demande. Et l'univers va répondre parce que vous êtes dans la vibration de la demande. Et cette demande, ok Yeah, would you would like it in English You just have to ask, Maria. We are talking for, for woes. Uh, each year, you are asking for something, and, and that materialization, you can realize whatever you would ask because you intend it. OK? Donc, moi, je dirais à la grâce de Dieu. Comme ça, tout le monde est content. Hein? Donc, il y a <laughs> le côté oriental, le côté. OK? C'est pas prétentieux, Sarah. Tu es en droit, tu as un corps. Les fantômes, les esprits, ils n'ont pas de corps. Donc, toi, tu demandes, tu obtiens. Quand tu vas demander à la banque, tu, vas, tu crois que tu ne veux pas obtenir un prêt sans demander Dans notre vie, on est obligé de demander. Ah, merci, hop. Tu es obligé de demander un job. Tu es obligé d'aller à la poste demander un timbre. Tu es obligé de demander tout le temps. Donc, il n'y a pas d'ego. Merci, la Miss. Toi aussi, tu es magnifique. Et hop, je te suis. Comme ça, c'est donnant, donnant, tout le monde. Il refuse le prêt, <laughs> ben, tu demandes encore et encore et encore. Tu vas dans une banque marocaine, tu demandes. Il n'y a pas qu'en France. Okay Donc, quand vous demandez, vous obtiendrez, mais vous devez faire le mouvement. C'est-à-dire que là-haut, ils vont dire Ok, ok, euh, lis j'y par exemple. Parce qu'il dit Ok, moi je demande ça, mais moi je suis prêt à faire le mouvement. Quand vous allez chercher un job, vous écrivez des CV. Donc, vous faites une action. Alhamdoulilah. Moi, j'adore ça quand on dit Alhamdoulilah parce que ça parle, le Alhamdoulilah. C'est exactement ça. Vous en remettez à l'univers. Mais il faut que vous demandiez d'abord. Et on peut faire autant qu'on veut. Tant que c'est sur votre chemin, vous ne pouvez pas vous éparpiller. Donc, ce n'est pas se battre, Nanou. C'est être convaincu que ta mission, c'est d'arriver là. Ce n'est pas se battre. Pourquoi se battre alors que tout peut se faire avec douceur et bienveillance Ok Rien n'arrive par hasard. Donc vous pouvez écrire, donc demander, je demande. Même vous pouvez dire en cas d'urgence j'exige l'aide, j'exige euh, des guides, j'exige qu'on m'aide, qu'il y ait une équipe à côté de moi. C'est comme si vous appeliez la police, les pompiers, SOS médecins. Vous exigez, je demande à l'univers immédiatement que disparaisse de l'aide. Vous ne pouvez pas demander à l'univers que si les choses disparaissent, mais vous pouvez demander de l'aide. Je demande de rencontrer des gens qui vont m'aider, que ce soit dans l'invisible, dans le visible, etc. Je demande, je demande, je demande, je demande, je demande. Que ce soit Allah, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit qui que ce soit. Oui, pour ton administratif. Je demande de l'aide. Et vous allez voir qu'il y a, ben oui, c'est simplement des croyances imitantes. C'est la timidité. Et quand vous demandez, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va qui va venir. Ah, et, et là, ça vous est déjà arrivé. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous avez tellement demandé qu'il y a une personne qui est venue. Euh, Mohamed, non Mahomet. Ok. Merci de corriger, Nargis. Euh, donc, vous savez, quand vous criez, ça arrive. Moi, j'ai obtenu des choses quand j'ai crié. Je criais c'est dans ma voiture que je fais ça. Je crie. Ah, Donnez-moi, voilà, et puis je pleure parfois, et puis j'en je, ai marre. Je dis, j'en ai marre, je bouge pas, pas vous m'écoutez pas pas, 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 pas voilà, et, et, et je crie une fois. Je... Il y en a qui vont pas me croire, mais je m'étais disputé avec mon ex, et euh, je me disais, mais personne même ici sur terre, et est-ce que je vais avoir un enfant dans, dans, dans ma vie? Et j'ai provoqué l'univers, j'ai dit. « Si vous m'entendez, prouvez-le-moi que que vous existez. Prouvez-moi que vous avez entendu. Donnez-moi une réponse. Vais-je avoir euh, la chance d'avoir une famille et un enfant ?» Et j'ai dit oh, « Tiens, tiens, donnez-moi une preuve. » J'étais dans la nuit, dans la montagne, près de Nice, à 1400 mètres d'altitude, vers minuit. Et euh, j'étais très énervé et je criais. Et j'ai dit « Si vous m'écoutez, faites apparaître une, une biche. » Et puis là, j'ai dit non, trop facile. Deux biches. J'ai dit non, 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 trop facile. Il y en a plein par ici, des sangliers aussi. Une biche et un cerf. Et si vous le faites apparaître, eh ben, OK, je vous croirai. Eh ben, vous ne croirez pas. J'ai freiné mon ABS et j'ai failli me planter. Ils étaient là devant, devant la route. Et je suis, j'étais ébahi. Encore là, aujourd'hui, je n'y crois pas. Parce que j'ai osé demander et il m'a il répondu. L'oreille droite, oreille gauche, non, Marie-Lou, il faut pas s'arrêter sur ce genre de, d'interprétation. Et je vous peux vous raconter des milliers de choses comme ça que j'ai vécu, Je, vais nier des choses. C'est comme dans un rêve. Parce que quand vous criez, vous allez dans un autre, vous montez tellement la vibration que vous allez dans un autre univers. Âme de Lula. Exactement. C'est les demandes pures qui sont exaucées. C'est pas pour moi, c'est, voilà, c'est la vie, c'est la création. Donc, il faut crier. Parce que ce n'est pas de la force mentale, c'est un désespoir. J'étais désespéré. Et quand vous êtes désespéré, que vous n'en pouvez plus, vous lâchez prise, vous dites, aidez-moi, s'il vous plaît, et que vous n'avez plus d'ego, vous êtes là à genoux en train de pleurer à ce volant quand même. Un... Et mes ce n'est pas vrai, le, le, le vrai cri c'est un cri de douleur, ça vient du cœur, c'est ça, Angel. ça vient d'une de, 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 forme de désespoir. Et derrière, effectivement, il faut remercier, remercier, mais ça c'est autre chose. Merci Mika. Comprenez Et la même chose, une fois, j ai, j ai fait, je ne sais pas, j'ai je, je, fait un saut dans l'espace-temps. J'étais à Barcelone et dans ma voix, on m'a dit rentre, « rentre, rentre, rentre à Montpellier, rentre à Montpellier ». J'ai dit « mais non, je suis là, en train de visiter la ville ». Je venais de faire un stage avec un, un maître et il m'avait euh, transmis des choses et <laughs> et dans ma tête on me dit rentre 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 et je résiste je dis non non je veux rester là je veux rester là rentre et euh, qui a créé l'univers en fait ce sont, des, ce sont des matérialisations faites par des esprits et il n'y a pas de naissance c'est comme l'œuf et la poule ça ça c'est comme des, des boules qui des bulles sur la surface de l'eau qui font pop 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 les, les univers apparaissent et disparaissent, apparaissent et disparaissent, ok Donc, je, je, dans ma tête, il a dit « rentre, 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 rentre », j'ai dit « mais c'est quoi l'urgence ?». Finalement, vers minuit, je rentre, et il y a à peu près 4 heures de route sur l'autoroute entre Barcelone et Montpellier. Je prends la route, et Waze, j'avais éteint, parce que Waze, c'est Internet, et moi, je n'ai pas Internet en Espagne. Wes ouais, se met en marche et tout d'un coup, euh, il me dit Vous arrivez dans une heure et demie. Là, je venais à peine de sortir 20 minutes de Barcelone. Je dis Mais il dit quoi ces conneries-là Et écoutez, j ai, j ai, je suis arrivé une heure et demie après. Vous voyez, je bégayais même, tellement c'est irréel. Au lieu de 4 heures, ça veut dire que j'ai fait un, un saut dans l'espace. Et encore, c'est pas fini. Parce que le lendemain, je me réveille, j'ouvre mon email et je vois, il dit, vous avez reçu un PV. J'ai dit, un PV. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le PV, il venait de Nantes le même jour. Mais moi, j'étais pas à Nantes. J'étais entre Barcelone et Montpellier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai vécu des choses, mais juste incroyables. J'ai vécu une near-death experience. Ça veut dire, je suis mort, je suis revenu, je suis. Il y, y, y a plein de choses, j'ai vécu tellement de choses que pour moi aujourd'hui, l'esprit, il fait tout, il crée l'univers. Il crée l'univers. Mais pour ça, il faut le demander en criant presque, mais pas en le suppliant, pas en disant s'il vous plaît, -vous... en pleurnichant. Non, ça ne marche pas. Il faut être un guerrier convaincu dans la lumière et dire Ah, je veux y aller, j'en veux, purée, j'en veux, j'en veux. Putain, je l'aurai, merde si, il n'y a, a pas un seul créateur, il y a des, des architectes. Il y a des dieux qui ont créé l'humanité, il y en a d'autres qui ont créé des, euh, des, des extraterrestres, il y en a d'autres qui ont créé d'autres planètes, etc., etc., Il etc. y a des, des chefs de projet dans, dans, dans l'univers, quoi. J'ai soif, moi aussi, Marie-Lou. J'ai hyper soif. <laughs> Débloquer le blocage, il faut crier. L'univers est en nous et nous sommes l'univers. Il n'y okay a pas que la loi d'attraction, il y a la loi de la vibration aussi, la loi de la lumière aussi. Donc, quand on invoque, il faut crier. Qu'est-ce qu'il y a, Roche Je n'ai pas compris. Il faut crier. Et, et, et dans notre société, vous ne criez pas parce qu'il y a les voisins et parce que vous, vous avez peur de crier. Mais osez crier un jour. Osez crier. Okay Donc, vous allez voir comment ça se réalise. C'est pour ça que tout ce que je vous dis, libérer ses guides, en fait, il faut demander un autre guide. Parce que les guides, ce sont comme des tuteurs. OK C'est ce qu'on dit. On peut guérir de tout. J'ai vu des miracles. On voyage. En dormant, on voyage dans l'univers. On est des touristes. On a le passeport universel. Mais il faut une conviction. Non, il n'y a pas de chef Dieu, the King. Il y a des dieux. Il y a un dieu pour l'univers de l'être humain. Il y a un dieu pour les animaux. Il y a un dieu pour. Il y a des sous-dieux, etc. Il y a une hiérarchie. C'est comme ici, là-haut, il y a une administration céleste. Hein. Je te donne la réponse, Rose. Et eh c'est bien. Tu t'es trouvé chez les fous, Rameau, Mais c'est normal qu'on se trouve chez les fous. Tous les fous sont des médiums. Artiste, quand, quand, tu fais des, quand tu es dans l'éveil, quand tu fais des rêves, tu passes dans des, dans des univers différents. Ces univers, si tu veux, répondent à qui tu es. C'est toi qui crées ces rêves-là. Donc c'est toi comme si tu étais un Dieu qui crée des univers différents. Donc pour ceux qui vivent dans ces rêves que tu fais, cauchemar ou pas, toi tu es le Dieu créateur de tes propres rêves. Et les entités qui sont dans tes rêves, ils dit Oh, il y a un Dieu !» Mais c'est toi qui l'as créé Eh oui Donc nous sommes dans un rêve qui est 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 dans un rêve. Dans un... Nous sommes dans la source de la source de la source de la source de la source. De la... Mais notre mental, il est fait d'un cerveau droit et gauche. On ne pourra jamais comprendre qu'il y a des multivers. Parce qu'on n'a que deux lobes. Il faudrait qu'il y ait des milliers de cerveaux dans notre tête pour comprendre qu'il y a plein d'univers. Mais là, on n'en a que deux. Oui, non au bas droite-gauche. Les psychologues, c'est... Hum. Ben, on a combien de guides C'est comme si je te disais, tu as eu combien de profs dans ta vie Au primaire, au secondaire, après jusqu'en terminale, et après les maîtres que tu avais, et les stages. Tu en as eu beaucoup. OK Les psy ne servent à rien. Moi, je dis le chi, l'énergie. Les psychologues que nous sommes. OK les psychologues. <laughs> ben, ils vous écoutent, Rudy. Les guides, c'est pas la peine de les entendre. Vous leur demandez quelque chose, ils vont le faire parce que vous allez à la FNAC, euh, dans un lieu, et puis tu vas ouvrir le livre, tu dis Ah, oh, j'ai la réponse à ce que je veux. Tu crois que c'est toi qui. On peut changer le guide, Yansel. Il faut demander. Tu dis Bon, il me convient pas, là, parce que je pas dans ma vie. j'avance pas. Je voudrais quelqu'un qui m'apprenne la comptabilité. Et tout d'un coup, tu es passionné par la comptabilité. Parce que tu crois que c'est tout seul. Non, c'est le guide comptable qui Merci Sarah. On peut réaliser des vœux avec les, les... Oui, mais si, avec les mains, oui, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, à, à condition que la pensée vienne dans la main. Non, les défunts ne sont pas forcément nos guides, non, ils ne sont pas assez élevés. Il faut vraiment des guides élevés. Est-ce que Dieu, Dieu se demande intérieurement l'énergie universelle Généralement, quand vous naissez, vous êtes venu en équipe. C'est-à-dire qu'il y a des êtres invisibles qui vont, euh, euh, qui, qui vont vous suivre toute votre vie. C'est votre secrétaire, vous demandez quelque chose, il vous demande. Vous avez votre comptable, vous avez. Là-haut, il, il y a vraiment une équipe. Vous avez un ange gardien, comme les, les hommes politiques, ils ont des, euh, des gardes du corps. Vous avez des guerriers, vous avez des comptables, vous avez des gestionnaires, vous avez un majordome, vous avez de qui vous voulez. Il suffit de demander. Les guides élevés, c'est ce qu'on connaît, Victoire. Allah, Jésus. Euh, et euh. Après, il y a des strates, il y a les archanges, ça va descendre jusqu'aux chérubins. La psychologie, c'était au 19e siècle. L'esprit humain, il est plus complexe que juste les émotions. Émotion. La psychologie, elle va au-delà. Oui, on peut allumer, faire des miracles. Enfin, béni, moi j'ai vu des miracles. J'ai vu des autres complètement autistes et, 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 et infirmes se redresser. Oui, le nouveau-né il choisit ses parents avant, bien sûr, c'est un CDD qu'il fait quand il vient sur Terre. Oui, tout à fait. Moi, je ne demande pas à un, un comptable d'avoir l'argent qu'on me doit, je demande à des des, euh, des anges huissiers à aller me chercher. On ne comprendra jamais l'existence de ce monde. Ce que vous êtes sûr, c'est que vous existez, c'est tout. Et que quand vous dormez, vous allez dans d'autres mondes. Donc pourquoi se poser la question comment c'est créé Ça ne sert à rien. Pour qu'une personne guérisse, Maria, il faut être gay et rire. Si tu n'as pas la joie, tu n'es pas gay dans ta vie et tu, et tu ris pas, tu vas tomber malade. Oui, bien sûr, Nathalie, il faut que tu regardes dans la ma bio. Mais oui, c'est la constance et la persistance. Le problème, la guérison, elle est instantanée dans l'esprit. Mais ceux qui ont un handicap physique, qui est installé depuis longtemps, okay, c'est long. C'est long à s'inscrire dans le corps. D'accord? Un enfant, ça met 9 mois. Euh, pour marcher, on met deux ans. Pour apprendre la langue, il faut 3-4 ans. Comment est-ce qu'on sait comment on est chaman On est tous chamanes. Les hémorroïdes, il faut le faire comme j'ai fait au début des exercices. Tu retires et tu jettes et tu t'hydrates. Hein tu demandes à ta, ta fille et tu fais des gestes. 608 personnes, 610 personnes. Oh J'ai euh, vraiment, merci à vous de me suivre vraiment pour 2024. Moi, je ne veux souhaiter, je vais vraiment vous souhaiter la chance que tous ceux. Je demande parce que je sais que quand je demande, c'est exaucé. Je demande à que tous ceux qui me suivent ici, tous ceux qui sont abonnés à moi, puissent réaliser leur but, puissent réaliser et réussir. Je vous demande, <laughs> vous, les âmes, qui est au-dessus de toutes ces âmes-là, ces 619 personnes qui me, qui me suivent, de pouvoir réaliser leur demande. Donc, à l'instant, je vais compter jusqu'à trois. Et à trois, vous allez tous faire votre demande, que vous l'écriviez ou non. OK Et je vais vous bénir, ou qu'importe le nom que je vais vous donner, c'est que je veux que ça soit fait. Alors, attention, un, formulez la, la, la demande. Je demande dans ma tête une chose, mais avec force. Allez, un. Pensez à la demande. Je demande quoi Je demande d'avoir de l'argent, je demande à guérir, je demande à, à être amoureux, de trouver la femme idéale, je demande à me marier, je demande. Voilà. Je demande. Deux. Recevez-le dans votre corps. là. Mettez les mains sur. Le, le, le... Je demande, je demande, je demande, je, je le crie presque. Je demande, je demande. Criez-le intérieurement. Je demande. Je... Criez-le intérieurement si vous ne pouvez pas le crier. Hein. Je, demande, je demande, je demande, je demande, je demande ça. Répétez la phrase. Répétez la phrase. C'est la deuxième étape. Je répète la phrase. Je répète la phrase. Je répète la phrase. Je demande. Je demande. Je demande. Et là, troisième étape. Attention, vous allez ouvrir les, les mains et vous allez les tourner vers la terre comme ça. Et j'ai dit, je demande ça que ça se réalise. Allez-y, que ça se réalise. Et là, je demande à toutes vos âmes d'exécuter votre ordre. Je demande au nom de qui vous voulez, de l'univers tout entier. Je demande à que soit exaucé. Votre demande, exaucez votre demande, exaucez votre demande. Et que ce soit réalisé instantanément, votre esprit l'a réalisé, c'est matérialisé dans votre émotionnel. Maintenant, il ne reste plus qu'au temps à se mettre en place pour que vous l'ayez, la réussite. Vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et vous allez remercier. Mettez les mains comme ça sur le cœur, là. Il dit, je remercie l'univers, je remercie l'univers. De m'avoir donné ce que j'ai demandé. Je remercie l'univers de m'avoir donné ce que j'ai demandé. Je remercie l'univers de m'avoir donné ce que j'ai demandé. Merci, 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 merci. Merci. Ah! Vous le ressentez? Je vais faire pour 2024 bientôt, là ça va être en février, le, le nouvel an chinois. Et là je vais vous faire des choses pour l'astrologie chinoise. Ça va Vous le ressentez ou non Vous êtes motivé pour réussir <laughs> Merci Nathalie. Merci Emily. Allez, cliquez, cliquez. Je dois atteindre 100 cas là. <laughs> Merci Anissa. Est-ce que vous avez compris que les miracles se ressentent Les miracles se demandent Les miracles Ça se crie Les miracles Ça se remercie Yes Allez, encore, 81 et 82, on monte. <laughs> Le score. Et plus on est hypersensible, mieux c'est. Plus on est têtu, plus on est constipé, moins c'est. On préfère les plus que les moins, n'est-ce pas On peut chuchoter les demandes, mais avec conviction et force. Merci, Riyad. <laughs> Merci, Astrid. On est tous réceptifs. Devenez comme des enfants dans l'émerveillement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci Miela. C'est tibétain. Merci Franck. On est tous des hypersensibles, sinon on ne serait pas des humains. Un enfant, il est hypersensible. Donc on a oublié de l'être à cause de l'éducation. Ne dis pas j'espère que ça veut dire que tu doutes. Le doute bloque. C'est le frein à main de la voiture. Tu roules à 100 à l'heure avec un frein à main. Donc, le doute, il n'y a pas de doute. Tu le fais, point à la ligne. Les Américains, ils savent très bien faire ça. Just do it. Fais-le, point à la ligne. Ne te pose pas de questions. Ne demande pas pourquoi. Est-ce que ça va marcher? Donne-moi des preuves. Comment? C'est la tête, là. La tête, la tête. C'est le frein à main, la tête. Il faut arrêter d'être de, 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 entêté, d'être en, dans votre frein à main, là. Vous roulez avec le frein à main et vous roulez en vélo avec le frein, là? C'est ça. Casser un verre, ça veut dire que tu, tu libères de ton ego. Mais oui, on réfléchit trop. Faites les choses automatiquement. Quand vous mangez, vous vous brossez les dents, vous faites les choses automatiquement. Quand vous demandez, vous le faites automatiquement. Vous n'allez pas vous dire, est-ce que ça va marcher Je sais que ça va marcher. Non, ça ne va pas marcher. Et je doute. Et peut-être que, pourquoi ça n'arrive pas Ça y est, vous avez mis le frein à main. Tandis que là, si vous allez dormir et que vous ne pensez plus, vous allez voir que ça arrive. L'ego, c'est quoi C'est le chien de garde que vous avez laissé à la maison qui a en charge d'aboyer quand vous essayez de sortir et de stopper les gens qui veulent rentrer. C'est ça l'ego. Il fait son job, mais c'est qu'un chien. Il est là pour vous défendre, pour surveiller la maison, pour surveiller votre corps. Yes, on a dépassé les 100. OK, vous savez quoi Je vais passer avec les membres. Ceux qui ne sont pas membres, on va pouvoir avoir aléatoirement 6 minutes. Okay euh, de, de, de live, mais moi je vais passer avec les membres parce que je vais leur balancer encore plus de pouvoir. Euh, quand je dis pouvoir, c'est développer leur pouvoir pour pouvoir faire des choses. Parce que là, ce que vous avez, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, okay mais je ne peux pas me consacrer toute ma force à, à, à 600 personnes. Yancel, <laughs> ton voile, il est calcifié comme nous tous parce qu'on boit de l'eau. Avec du fluor, des médicaments, etc., etc., etc. Donc euh, voilà. Donc ce que je vais faire avec vous, les membres, c'est que je vais vous ouvrir votre clairvoyance. Je suis en train de sortir un cours sur la clairvoyance là. Je vais le faire en série. C'est très facile. La clairvoyance c'est très facile. C'est très très facile. Ça en cinq minutes vous savez le faire. Ça c'est pas un secret. Et euh, je vais euh, pour les membres, je vais euh, vous ouvrir plus le canal de votre intuition pour que ça se multiplie, c'est-à-dire c'est un x 10. Okay, là, ce qu'on a fait, ok, c'est ouvert. Mais en étant membre, là, je vais vous donner des techniques encore plus puissantes, et je vais travailler avec vous pour que vous ayez beaucoup plus de... de, de... Waouh, c'est beau, Doris, merci! Topissime! Okay Donc, vous pouvez rejoindre l'équipe euh, si vous voulez. Et... Euh, euh, voilà. Donc, je vous remercie, mes amis. Je vous revois demain soir. On, je ferai une autre séance, je pense, demain soir, euh, vers 21h, 20h30, 21h, ok Et là, les membres vont rester avec moi euh, pour, euh, pour pouvoir euh, développer leur pouvoir. Ah oui, mais attends, il faut que, d'ailleurs, euh, je mette... Euh, je n'ai plus de batterie, ah, il faut que je m'assoie autrement, ok Restez là et je vais brancher. Yes, bienvenue aux nouveaux membres. Merci Alia. Merci à tous. Oui, c'est normal de ressentir de la chaleur euh, parce que le sang arrive dans les mains et donc c'est avec l'énergie, la chaleur. Euh, voilà. Pour membre, Yasmina, tu cliques là-haut, je pense, ou à droite euh, pour devenir membre. Ok Ça Je crois qu'il y a des Thaïlandaises. Merci Marie-Noël. Une étoile en bois peut-être à droite. Merci Dika. Banto Tama. Vraiment, c'était le record. Donc abonnez-vous et puis retrouvez-moi. Merci Simone, c'est génial. Merci pour cette belle rose. Waouh, que des cadeaux Vous, vous sentez bien ben Dis donc, je vais pas partir hein, si vous êtes en train de me donner que des cadeaux. Euh... <laughs> Tous les cadeaux qu'il a là. Bonsoir, mémé. Kadi, bienvenue. Merci Capsule. Bonne soirée à ceux qui. Ah, merci Yancel. Ah, merci Sarah. Hello Isabelle, bienvenue. Merci Yancel. J'espère que vous appliquerez ce que je vous ai dit quand même. Hein euh, vous trouverez encore une fois le replay bientôt. Là, je vais donner des, euh, des séquences, des petites séquences juste après euh, ce soir. Vous retrouverez demain les petites séquences, des petits extraits. Et puis la totalité de, de ce live, vous le retrouverez euh, sur euh, tiktok.denitran.com. Oui, Mélissa, je vais passer avec les membres. Hein? C'est fini pour euh, la partie libre. Je vais passer avec, euh, avec les membres. OK? Donc, il y, a, il y a trois catégories d'abonnements 3,99, 6,99. Et à chaque fois, vous allez voir dans la liste euh, euh, et 9,99. OK Allez, on switch au. Euh, merci, Mignon. Allez, vous êtes 24 abonnés déjà. On y va. Live réservé aux abonnés, les amis. Merci, Anissa. Donc je vais vous faire euh, de la voyance, comment devenir voyant OK? Les abonnements c'est qu'au début tu regardes chez elle toi tes membres tu as pratiquement tout. tu en as un autre où il y a encore un peu plus mais celui que tu as est parfait. celui de début il peut assister mais il ne peut pas forcément poser des questions. enfin il n'a pas la priorité sur vous autres, les membres, les anciens là que vous avez. Bon voilà on est entre nous. Je vais vous apprendre une technique. Est-ce que vous êtes tous là Vous voyez pas d'inconvénient à apprendre une technique de voyance Vous êtes tous d'accord Vos propres croyances le permettent Je dis ça parce que il y a des gens qui, euh, qui ont peur. D'accord. Alors asseyez-vous confortablement, s'il vous plaît. Très important. Okay. les pieds bien à plat, confortable, mettez une couverture si vous voulez. Et ce que vous allez faire, c'est euh, on va travailler sur vous. C'est-à-dire qu'on peut se poser des questions en voyance, on peut se voir nous. Ok C'est quoi la voyance La voyance, c'est la capacité de laisser des images venir à soi. Salut, Bantu Tama, bienvenue. Donc, les gens qui viennent vers vous, les images qui viennent vers vous, les phénomènes qui viennent vers vous, les sons qui viennent vers vous, les mots que vous entendez, les senteurs que vous ressentez, etc. Tout ça fait partie de ce que j'appelle la voyance, la clairvoyance. Pourquoi clair? Parce que ça devient plus clair. Ce ne sont plus des mots seulement. C'est des, des images. C'est comme si vous regardiez à la télé, et à la télé, « Hello, Anissa, bienvenue et !» euh, Et quand vous voyez, c'est comme sur un écran télévision. Il y, a, il y a des choses qui se passent, il y a des scènes qui se passent. Et là, vous dites, « Mais ce n'est pas moi qui crée ces images. » Parce que, normalement, le fonctionnement de la... Quand vous réfléchissez, vous projetez des images, n'est-ce pas Vous savez où vous habitez, vous savez la rue où vous allez, vous savez... Vous projetez, mais quand vous ne savez pas et que les choses viennent à vous comme sur un téléviseur, là vous vous dites waouh, qu'est-ce qui se passe Donc maintenant on va faire un travail très simple. On va commencer par voilà, c'est bien, tu connais. Donc on va on va on va commencer par un exercice très simple. Vous allez écouter ma voix pendant que je vous donne les instructions. Donc vous n'êtes pas obligé de, de regarder l'écran. Les deux pieds placés au sol, bien assis confortablement, les mains relaxées. Vous allez fermer les yeux, écouter ma voix et Hello Marilou, bienvenue. Et vous allez imaginer devant vous, voilà, de, comme si vous aviez un écran d'ordinateur de, de, ou de télé devant vous. Vous voyez une rose. Vous voyez une rose. Après, vous me mettrez les commentaires. Mais regardez la rose. Elle va apparaître à votre, dans votre tête. Et la rose, retenez la couleur, retenez la forme. Hello Minimusa, bienvenue. Retenez la couleur de la euh, de la rose. Ok? Très bien. Maintenant, regardez la rose comme si vous tourniez autour, ou regardez la rose si elle bouge, si elle se transforme. Laissez. C'est-à-dire que vous ne demandez rien. Vous regardez la rose comme sur la télé, et vous la regardez simplement. Alors, regardez les feuilles, regardez les épines, regardez s'il y a des racines, regardez le sol, regardez la couleur, regardez le nombre de pétales. Regardez. Regardez. Maintenant, vous allez imaginer que vous allez marquer sur une ardoise votre nom. Sur une ardoise. Allez, mettez, je m moi par exemple, j'imagine, j'ai une ardoise, je m'appelle Denis. Je mets Denis. OK. Posez l'ardoise devant la rose, comme si elle s'adossait à la rose. OK. Et maintenant, regardez la rose de nouveau. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire La rose, elle représente qui vous êtes. Elle peut changer de couleur, elle peut changer de forme, elle peut disparaître, elle peut tomber, elle peut se pencher, il y a des mouvements, il y a des choses qui peuvent apparaître. Regardez, regardez. Ne vous censurez pas, laissez venir tout de suite. Ne vous bloquez pas, ne vous bloquez pas. Ok, très bien. Maintenant, vous allez faire disparaître la rose comme si elle s'enflammait. Ok, voilà. Rouvrez les yeux, commentaire. Qu'est-ce que vous avez vu Je veux savoir. Je veux savoir. Et vous me likez, bien sûr. <laughs> Bienvenue, Elie, pour me suivre. Tourbillon jaune, très bien, Kadi. Se retrouver, ok, très bien. Euh, qui se retrouve sous l'eau. Ah, bouger énormément en tournoyant, très bien. Gardez tout ça, ok. Une rose avec des feuilles vertes qui se penchent sur mon prénom. Ouh, tu me donnes des frissons. Une rose blanche, très bien. Rose blanche noire, très bien. Des écailles autour. Une rose couleur rose, rose rouge, pétale tombé. Ah, très bien. Rose jaune, rose rouge, rose blanche. Alors, on va faire un test maintenant, entre nous. On va faire un test. On va prendre Cheryl. Cherelle, tout le monde va regarder Cherelle. C'est-à-dire que nous allons... Allez, on se remet... Cherelle, c'était la cobaye, tu ne fais rien. OK Maintenant, tout le monde, mettez-vous encore de nouveau assis, pieds à terre. Fermez les yeux. Suivez mon... Cherelle, tu vas penser à une question. OK Non, tu vas... Pensez à une question. Okay tu tu, so, Est-ce que tu veux poser une question? Tu veux savoir quoi? Okay Est-ce que tu veux poser une question? Cherelle. Donc, chacun d'entre vous, bah, on ne va pas faire tout le monde ce soir, mais on va faire de la voyance pour Cherelle. Donc, Cherelle, si tu as une question, tu n'es pas obligé d'avoir une question, mais on va dire ce qu'on va penser de toi grâce à la rose. Ok? Maintenant, fermez les yeux tous. Chérel, je vais prononcer son nom trois fois. Je vais prononcer son nom trois fois. Vous allez rentrer ce, 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 son prénom dans votre corps, dans la tête, dans la poitrine et dans le bassin. Ok Vous êtes prêts Fermez les yeux. Chérel. Hello, Lolo. Absorbez-le dans la tête. Chérel. Absorbez-le dans la poitrine. Cherelle, absorbez-le dans le ventre. Ok. Maintenant, faites apparaître une rose devant vous. Maintenant, marquez le nom de Cherelle, C H E R E L, sur un tableau. Mettez-le devant la rose. Lolo, fais l'exercice aussi. Hein, tu peux le prendre en. Regardez la rose. Regardez qu'est-ce qu'elle se passe avec la rose et dites-moi. Laissez venir à vous les images. Ne... Et si vous ne comprenez pas, demandez pourquoi je vois ça. C'est tout. Quand vous ne comprenez pas, demandez pourquoi. Qu'est-ce que ça signifie Demandez. rejeune Deuil pour Chérel. Chérel répond à ceux qui... Voilà. C'est dit, est-ce qu'il y a un deuil Rose jaune qui brûle. Rose jaune qui frémit. Moi, je vois une rose en haut qui est décalée. Comme s'il y avait une pétale qui s'ouvrait vers le haut. OK. Pourquoi de l'aloe vera Très bien. Rose jaune frémit. Est-ce que ça te parle, Chérel Tristesse. Ouh, oui, je ressens ça. Pas de deuil. Est-ce que, autres... est que les autres te parlent Cherelle, ça parle, toutes les pétales tombent, elle pleure. C'est comme si ça tombait. Rose qui part ensemble. En forme ultra féminine, Doris. Trois mois. Beaucoup de roses jaunes. C'est pas grave si tu ressens pas Colibri. Laisse. Tu fais rien. Tu, tu, tu veux juste Lolo. Attends l'exercice, on va faire après. Ok? C'est bien vos visions. Vous voyez que vous êtes en train de voir. Beaucoup d'entre vous voient une rose jaune. elle tu ne réponds pas Alors, qu'est-ce qui te parle, elle À toi de répondre sur tout ce que, que viennent de dire les autres. Moi, je vois une sorte la rose comme une coiffure. Il y a quelque chose qui monte. Voilà, comme dit Fediwa, qui s'envole vers le ciel. Il y a quelque chose qui, moi aussi, voit vers une ascension. Et aussi quelque chose qui tombe, comme d'autres l'ont vu. À toi de nous dire si ça te parle. Une rose qui demande à se connecter aux cieux. Alors est-ce que ça te parle Kika voit une rose noire qui tourne sur elle-même avec une pétale détachée. Mais vous êtes super forts tous. Est-ce que tu rejoins, tu retiens ta joie de l'intérieur chez elle Est-ce que tu hésites? Est-ce que tu, tu as de la difficulté à exprimer? Quelque chose la retient, comme dit Marilou. Moi j'ai ressenti ça aussi. Si ça ne te parle pas pour l'instant, c'est peut-être parce que tu n'as pas posé la question sur laquelle euh, euh, se pose. Mais lis tout ça simplement, ok Ça peut être une analogie avec la famille, etc., etc., etc. Ok Donc, on, on, va, on va faire un autre test. Qui parmi vous veut faire le test Ok. Minimus. Quel est ton prénom, Minimus On va commencer par Minimus. Quel est ton prénom Voilà, je vais prendre au hasard. On ne va pas tous faire, mais. Sonia. OK, s'il vous plaît, mettez les pieds à terre, fermez les yeux. Et je vais vous prononcer trois fois le, mot de, le prénom de Sonia. Vous allez l'absorber. Attention, soyez prêtes. Vous êtes prêtes On y va. Fermez les yeux. Sonia. Prenez-le dans la tête. Deuxième, Sonia dans la poitrine. Troisième, Sonia dans l'estomac. Écrivez le nom de Sonia. S, O, N, I, A. Posez-le devant la rose. Et vous pouvez maintenant écrire ce que vous ressentez. Première vision. Est-ce que la rose, elle est comment Elle se transforme, elle est grande, elle est petite, elle a des racines, elle a plate-feuilles. Moi, bon, je vois d'autres petites roses, comme si tu avais des enfants, Sonia, à côté. Une petite fille à côté, à ta droite. L'autre, je ne le vois pas, le garçon. Rose blanche. Qu'est-ce que vous voyez les autres Écrivez. Ne pensez pas, jetez simplement. Euh, Minimous t'a dit ok, mais ça veut dire quoi Grande rose rouge et droite. Soyez instinctif, n'essayez pas de comprendre ce que vous avez vu. Tout en noir. Oui, à ta droite, la fille, ok. C'est ta fille, ok, mais <coughs> Sonia, donc tu as une fille à ta droite, ok Rose rouge. Petite rose rouge, c'est peut-être ta fille. Ok, feuille verte. Une à ma gauche, belle rose rouge. Ok, donc ça veut dire que pour moi, le rouge, c'est l'énergie, c'est la vie. Ok Regarde les autres commentaires et dis si ça te parle. Tu vois une canne à sucre. Bouton rose noir. Salut Vic. Des feuilles vertes. La rose s'est transformée en reine. Waouh Kika Deux roses grandes petites. La grande change de couleur. Ok, c'est peut-être elle qui change, Marie-Lou, de couleur. Trio. Ok, il y a du lit là à côté, mmh, c'est beau ça, elle pousse la rose, elle n'aime pas se dévoiler, rose bleue, ah, non peut-être pas colibri, alors Sonia, est-ce que, est que ça te parle, qu'est-ce qui te parle dans tout ça, elle grandit la rose, Lolo c'est pas grave, Lolo, laisse, laisse, on s'exerce, c'est l'école, <laughs> pour l'instant. Sonia, qu'est-ce qui te parle parmi tout ça Est-ce qu'il y a quelque chose Tu veux des précisions sur une vision d'une des... Euh... Ah, à Viviana, Viviana, c'est exact. Ok. Comme si elle devait prendre une décision, elle a du mal à se fier à son flair. Tu vois une montagne, Doris. Ah, tu... une rose noire et tu n'aimes pas te dévoiler. Ok. Vic, on est, je vous apprends à faire de la clairvoyance, en fait, à voir à travers une rose comment développer votre intuition et votre, euh, votre télépathie et votre clairvoyance, en fait. D'accord. Marilou lou regarde, tu es exact. Qu'est-ce que tu as dit, Marie-Lou Marie-Lou vous êtes très forte, hein vous avez tous vu plus ou moins exactement. Hein il, y a, il y a tout un symbolisme. Parce que si on était en groupe, effectivement, euh, on pourrait. Tu n'arrives pas à prendre de décision. D'accord, OK. Ben, comme elle n'arrive pas à prendre de décision, tu ne peux pas distinguer la rose, Doris. C'est pour ça que tu ne peux pas voir la rose. Donc, si tu ne vois pas quelque chose, ça veut dire qu'il y a une forme de doute. Euh, C'est une action qui ne se fait pas. Et elle prend pas, tu vois, une grosse décision actuelle. Maintenant, vous allez refaire l'exercice en disant Est-ce qu'elle doit prendre sa décision Allez-y. Est-ce qu'elle est qu Est-ce est que tu veux cette réponse, Sonia Est-ce que tu prends Tu veux un oui ou un non C'est ça Ou tu veux plus de détails sur cette prise de décision Qu'est-ce que tu veux une reine dans un jardin, ben c'est elle, hein, sauf qu'elle ne prend pas la décision d'être une reine, par exemple, puisqu'elle ne veut pas se dévoiler. C'est Cendrillon, quoi. Ok, mesdames, fermez les yeux, demandez. Je voudrais. Je vais répéter trois. Euh, un oui ou non, d'accord. Je répète trois fois le prénom. Sonia, fermez les yeux. Sonia. Sonia. Je vais maintenant vous poser la question. Écrivez son nom, Sonia. Maintenant, je vais poser la question. Elle, quelle décision doit-elle prendre Oui ou non Laissez apparaître la réponse avec la rose. Oui, tu la vois grandir, Anissa. C'est qu'il y a une évolution. Foncer sur la route, c'est une évolution. Donc, c'est comme si c'était un oui. Rose, non. C'est normal, il y a toujours une peur. Le non que tu vois, c'est la partie négative d'elle, de, de, en train de freiner, voilà, il y a plus de oui que non, mais tu voyais elle est dans le doute, donc ça veut dire, il y a le oui, non, et tu, quand tu vois le non et le oui, Marie-Lou l'a vu, donc il y a le oui et le non, c'est comme une balance, il y aura toujours les deux en elle, et, et, et ce qui va pencher à un moment donné, c'est là où c'est le plus lourd, ok, elle ressent en un non, parce que Doris, tu vois, L'esprit est ainsi fait. Il dit oui un coup, et puis il dit non d'un autre coup. Donc c'est normal que vous voyez, on ne peut pas être exact parce que c'est à l'instant T que ça se passe la voyance. C'est l'instant T, c'est un polaroïde. Ok. Ça te parle, Sonia, tout ça Donc bravo à celles qui ont bim. Vous avez tous bon, hein. C'est parce que là on n'est pas ensemble, mais je peux pas gérer le, le, le groupe comme ça aussi facilement que quand j'étais dans un cours euh, de voyance. Mais euh, pour résumer, tout ce que vous avez vu, c'est la croissance, euh, la route, le chemin que Sonia va prendre. Maintenant, le nom est le plus fort. Ok. Ça change parce que vous êtes en, en connexion avec Sonia et. Il y, a, il, y a une, il y a une balance. Tout d'un coup, elle, elle sent le non. Après, elle sent le oui. Vous voyez La rose transparente, elle se transforme. C'est bien de voir une rose transparente. Moi aussi, parfois, Vic, je vois la rose transparente. Moi, je commence toujours par voir une rose transparente. Et puis, c'est comme un, une boule de cristal. Il y a des choses qui se reflètent dedans. Bleu marine, c'est beau, hein, Kikar. Maintenant, je veux une question précise une problématique. Donnez-moi vos problématiques et je vais décider qui va être analysé. La question, c'est une question ouverte. Euh, je demande à savoir si mon investissement, si cette maison, si cette personne, si... La la la, euh, voilà. Comment Je demande comment faire, par exemple, ou quelle décision prendre. Ok, je veux une, une phrase. Et à partir de là, on va faire un dernier exercice et je vais vous proposer en fait qu'on fasse ça. Euh, dans les lives hein, de la voyance, comme ça, que vous, je vous entraîne à, à être clairvoyante de, de plus en plus. Okay donc, écrivez-moi une problématique. Savoir si je dois déménager. Euh, donc, Cheryl, on l'a fait. Mais tu as eu les réponses tout à l'heure. C'est pour ça, maintenant, tu le mets. Mais peut-être que les réponses que tu avais eues tout à l'heure, elles sont par rapport à ça. Si je vais calmer mon impulsivité, car je n'y arrive pas. Ah, intéressant, Vic. Je demande à savoir pourquoi mon oreille droite se ferme par moment. Ah, intéressant. Mais bref, bon, repartir. Est-ce euh, que j'ai développé mes capacités OK. Plus de contact, je voudrais en avoir. C'est intéressant pour euh, Nathalie, débloquer la situation. Alors, je voudrais que vous le fassiez vous maintenant. C'est-à-dire que vous venez de poser la question et vous allez fermer les yeux. Reposer mentalement la question en, en répétant trois fois votre prénom et en l'intégrant dans votre tête, dans votre poitrine et dans votre estomac. Maintenant, écrivez votre nom. Mettez-le devant votre rose. Ah, c'est bien, cher. Et regardez comment votre rose se transforme. Et ensuite, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, écrivez-la. Restez quelques instants, quelques minutes. Waouh, Vic, elle se transforme, elle se tourne. Donc, il y a un mouvement. Elle, se, elle, elle tourne vers quoi Vers la droite, vers la gauche. Et les autres, qu'est-ce que vous voyez de vous par rapport à votre question Regarde ta rose, Vic, transparente. Regarde si à l'intérieur, tu vois des images. Et les autres, ne vous censurez pas, laissez la rose se transformer. S'il n'y a pas de rose... Elle fan, lumière divine, ça veut dire que la réponse, eh ben, elle, elle, elle est en descente, c'est-à-dire que ce n'est pas la fin. Mais voilà, elle tourne vers la gauche, elle est violette et se publie sur un ciel. Ah, elle apparaît, une fleur blanche, <coughs> soleil qui se lève ou se couche. Tu as des frissons, Nat Ok. Ok, elle s'ouvre entièrement. Très bon, Alia. Tu brûles avec des flammes, tu te purifies, Viviana. Elle était ouverte entièrement. Ah, c'est bien. Qui se redresse comme si elle voulait s'étirer et qui émane une chaleur. Ok, Marilo. Euh, ça veut dire qu'elle veut s'exprimer, elle se redresse, donc c'est vraiment ton énergie en ce moment. Ah, elle fan, t'as vu eh oui. Elle grossit les pétales de vue de plus en plus belles. Bravo! Le soleil levant, c'est un renouveau. Ça dépend si c'est à l'est. J'imagine que c'est à l'est, donc il y a la direction de l'est. Voilà. Soleil dessus. Toi aussi, soleil. Fédiwa. Sur les ordinateurs. Anissa. Donc, il se passe quelque chose au niveau du virtuel et du numérique. D'accord. Escargot qui va vers la droite. <laughs> oui. L'escargot, c'est la lenteur. OK. Et la bave d'escargot, ça régénère. C'est un anti-âge. Sens des aiguilles d'une montre, grandit comme un arbre. La roche change de place. Donc ça veut dire que tu vas déménager, femme bénie, ou tu, ou tu veux déménager, ou en tout cas, tu ne veux pas rester sur place. OK? Tourne à gauche, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Euh, c'est comme tu dévises quelque chose. Plusieurs mains, étapes sur plusieurs ordinateurs. Tu, tu réponds à Nissa à plusieurs jobs, peut-être. <laughs> C'est ton problème. Ah ben voilà, donc la rose t'a montré le problème. Ça fait bien partie de ta question, Anissa. Ok, c'est bien. Donc vous voyez qu'on peut trouver les réponses à son problème. Ton soleil se pile au milieu avec des couleurs orangées et la mer. Donc soit c'est un voyage, soit euh, tu es au milieu, ton milieu du ciel, comme en astrologie. OK? C'est ça. Mais ça peut être ça. Une vraie. Elle s'ouvre entièrement, ça veut dire que tu t'épanouis, Alia. Enfin, tu arrives au maximum de, pas au maximum, mais en tout cas un, un aboutissement. Le, le, ton oreille, c'est bien sûr c'est de l'énergie, mais c'est pas que ça. Pourquoi elle s'ouvre et elle se ferme C'est comme un sas. Toc, toc, tu T'entends et tu refermes. Tu fermes la porte. Ok Donc toi seul peux trouver. En répondant à Alia, ok, elle Parfait. Donc ce que je voulais vous dire, mesdames, c'est que Ok, ça là, elle sous complètement, devient couleur arc-en-ciel avec des paillettes. Ce que je veux vous dire, c'est que je voudrais que vous pratiquiez cet exercice. Oui, Anissa, c'est impressionnant. Parce qu'on peut avoir les réponses à tout. Absolument tout. <laughs> ça ne résout pas ton problème. Ça te donne des informations. Et ça dépend de la manière, c'est comme l'IA. Le, c'est les prompts. Ça dépend de la manière dont vous allez poser la question. Comme lorsque vous voyez un voyant, un, un tarologue. La manière dont vous allez poser la question, vous allez avoir une réponse en image à travers la rose. OK? Donc, je vous demande d'utiliser de, de, cette méthode que je viens de vous enseigner. Moi, je l'ai apprise euh, aux États-Unis parce qu'à l'époque, pendant la guerre, euh, il faut faire avec la rose au début. Mmh. Toujours avec la rose. Euh, ils utilisaient ça à l'armée américaine okay pour détecter, voir, espionner à distance. Voilà. Euh... Si L'image, ce n'est pas le ressenti. L'image, c'est une projection de le troisième œil. Le troisième œil, je vous ai dit, la glande pineale, c'est exactement projeter ce qu'elle a capté. C'est comme un émetteur radio. Donc, quand vous faites une question, elle va répondre. Et vous allez capter les informations sur la télé. Et ça sera un peu comme. Euh, vous allez zapper de chaîne en chaîne. Hein Donc, ça ne résout pas le problème, mais vous aurez des données. Parce que c'est vous qui avez le libre arbitre. À un moment donné, vous voyez une image qui correspond bien à votre situation et ça va vous donner une énergie. Si cette énergie est positive, vous allez prendre cette décision-là. C'est un, une aide à la décision. Et si vous le faites pour quelqu'un d'autre, ça va l'aider. Ce n'est pas vous qui allez dire tu fais ça. C'est une suggestion. Okay C'est une suggestion que la vie vous donne. Votre corps a différentes opportunités et. Euh, et peut s'ouvrir à différentes solutions. C'est comme un guide. Effectivement, ce sont les guides qui vous répondent généralement, mais à travers la rose. Okay cette, cette technique, elle est utilisée très largement dans les écoles de clairvoyance aux États-Unis. Moi, j'ai appris avec un grand maître là-bas. Il n'y a pas d'image négative avec la rose. On va voir que la, 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 la feuille, elle tombe. C'est du végétal, C'est pas des monstres. Okay C'est un guide, mais à travers une rose. Et après, on ira plus loin. Donc, si ça vous intéresse, ça, on va l'intégrer dans, dans nos lives privés. C'est-à-dire que une ou deux d'entre vous va poser des questions et nous tous, nous allons visualiser la réponse. Ok On va le faire sur soi et on va le faire pour quelqu'un d'autre pour que vous vous habituez à. D'habitude, ce cours, vous savez, il, il, il est, euh, je le, je, je paye, euh, je fais payer euh, quand je vous donnais ça. Ce cours, je donnais huit cours, 16 heures, c'était 2000 euros. Et là, j'ai décidé de le faire pour les membres. Donc, OK Eh bien, oui, Marilo, il n'y a pas de hasard. C'est comme ça. Je suis très content de... que ça puisse t'aider. La réponse, elle est, elle est faite sous forme symbolique. Euh... Et Sainte-Mère Marie-Aime-les-Roses. Et oui, voilà. Alors c'est très bien Rose que tu dises ça, en plus si tu es abonné, c'est parce que la rose est un symbole très puissant. L'odeur de la rose, la vision de la rose, c'est très mystique. Hein il faut vraiment... Non, il faut d'abord poser une question, puis après vous imaginez la rose. Et la rose va se transformer. Il faut, il faut observer simplement. Donc c'est à travers Marie, si tu veux Marie-Lou, qu'on qu observe et qu'on a des réponses. Parce que tout est univer universel. Ok <coughs> T'étais sur ce cours Ah ouais, cool <laughs> Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Demain, on recommencera. Ok On recommencera. Et euh... ce que je vais peut-être faire, vous savez, c'est alterner un cours public et les cours ils sont sur mon site webinaire.denitran.com regarde, elle a marqué Françoise elle a épinglé ok, et c'est sur la méthode des deux points c'est comment soigner avec les deux mains vers la même heure à peu près je crois ou peut-être plus tôt vous allez voir une alerte mais euh, demain je vais peut-être refaire avec vous uniquement après euh... et un, ah oui, un inconnu t'a offert un bouquet de roses non Sandrine ça, merci euh, Soso pour euh, tu vois, il y, y a des réalisations une matérialisation, tu demandes, ça se réalise toutes, vous, toutes ici vous, de, vous avez demandé, vous m'avez rencontré donc il y a vraiment une matérialisation de la demande, et c'est ce qu'on est en train de travailler c'est que vous devez vraiment euh, euh, vérifier par vous-même que tout ce que vous demandez se réalise, c'est pas le fruit du hasard du tout, c'est votre pensée qui crée et plus vous, vous, vous verrez ça, plus votre vie va se transformer parce que vous demanderez, vous aurez. Vous serez convaincu quand vous êtes surpris en dire Oh, c'est incroyable quelqu'un m'a offert des fleurs aujourd'hui." Voilà. Ben, ça s'est réalisé, ça s'est matérialisé et donc plus ça se fait et plus tu vas dire ben oui, c'est moi qui crée finalement." C'est magnifique. Voilà, Alia aussi T'as apporté une rose Mais voilà, Nathalie. Donc, quand on vous apporte une rose, il y, y, y a un message divin, un ange. Bon, il y a des manipulateurs aussi, hein. faites attention. Tu étais dans la recherche, Fatima, et, bra et bravo, tu es venu. Donc, bienvenue à, à ceux qui viennent de s'abonner. Hein, ça promet pour la nouvelle année. Une grande rose en bocal, ah, dans un live, bien. Donc, de <laughs> faire un cactus de Lidl. <laughs> ça ne devient pas une rose. Hein. <laughs> Ah, C'est la, la bonne celle-là. Tu lui rends, tu lui rends. Non mais il a raison. Tu sais quoi? Une fois, j'avais euh, des petits cactus comme ça chez moi. Il y a une femme des îles qui est venue. Je crois que c'était Martinique ou Guadeloupe. Je me souviens plus. Quand elle est sortie du soin, le lendemain, en 24 heures, mon cactus il était coupé en deux comme ça, ouvert. Tout, il avait absorbé toute l'énergie négative. Les plantes grasses absorbent l'énergie négative. Quand vous avez des plantes grasses chez vous que vous mettez devant la porte, à droite, à gauche. Ils absorbent toutes les énergies négatives des gens qui passent. Tout. C'est le, le meilleur signe pour dire est-ce que cette personne est positive ou négative. Sinon, c'est vous qui prenez. La rose éternelle, il y a plusieurs mois, la tige verte a coulé. C'est-à-dire. Il faut voir la, la, la symbolique, pourquoi ça coule. Vous savez, c'est comme le rêve, le symbole des rêves. Prenez le dictionnaire des rêves sur Internet. Quand vous voyez un serpent avec la rose ou la rose perd ses fleurs, vous vous. Vous regardez sur Internet. Vous avez tous vu une rose avant de me voir. C'est fou, ça. Oui, tu lui mets sur son siège de voiture. Tu mets une pétale de rose et tu mets le cactus aussi. Tu dis, c'est bizarre. Le cactus a donné une feuille de rose. Voilà. Hein Donc, voilà, mes amis. Ça vous va c'est pas un hasard, pas du tout. Ah, t'es en Martinique en plus. Oh, ça... t'as vu une, une série qui s'appelle Les Roses. Mais mon Dieu, ce soir, c'est incroyable. À ton mur, la tige, coule... j'ai ta rose éternelle sur ton mur. Comment faire la tige, ça, ça coule vert Ah ben, ça se transforme, ça veut dire que c'est en vie. Donc, c'est magique ce qu'on vit là, je pense. Non C'est magique. C'est ça l'avantage d'être entre nous. Oh, c'est beau, tu viens de perdre toutes mes condoléances, Marie-Christine. Une rose blanche naturalisée, toutes mes condoléances. Tu peux parler avec ton fils avec la rose maintenant. Mon Dieu, la rose est partout. Donc, vous voyez que j'ai bien fait par intuition de vous en parler. Tu pourras faire, ma Christine, l'exercice ce soir en mettant le nom de ton fils sur la rose et regardant la rose se transformer. Ton fils t'a offert des roses il y a deux jours. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau tout ça Qu'est-ce que c'est beau C'est génial, mes amis. Je suis très 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 contente de cette soirée. Ah, Vic, t'étais évanoui, qu'est-ce qui s'est passé T'étais en paix. Ok, mais t'as pas vu de rose. Vous avez perçu un deuil, bah c'était peut-être Marie-Christine alors. Parce que ce qu'on va faire dans les prochaines étapes, c'est que vous allez tous ensemble réfléchir à une question, genre est-ce que vous avez un message pour une des participantes qui est là Et donc vous allez recevoir pour quelqu'un d'autre quelque chose. Ça, c'est un très bon exercice aussi. Vous allez canaliser. Si, vous captez, oui, les uns contre les autres, tout à fait. Moi, une fois, j'ai fait ça, et j'ai eu peur parce que je croyais que la personne en face de moi. Celle qui m'enseignait, j'ai dit euh, j'ai vu que vous avez tué quelqu'un. Non, je, je, je croyais. Et en fait, ce n'était pas cette personne-là, c'était l'autre qui était à côté. Il a dit non, c'est moi qui l'ai tué. Donc on capte les énergies autour. C'est comme euh, un réseau. Ok <laughs> T'as pas vu de rose à part la fille qui s'appelle Rose dans les ma le message. OK. Donc voilà. C'est bon On essaie de se retrouver demain. Vous êtes tous des écrans de télé et des radios. Merci à Françoise. Tu as canalisé, mais vous avez tous canalisé. Je le sais, sinon vous ne seriez pas avec moi. Bravo en tout cas pour... Euh... Tu vas apprendre, Salam. Merci en tout cas à vous toutes. Merci à Françoise pour son travail de patience dans l'ombre. On le fera demain, Kika. D'accord Avec grand plaisir à tous. Bisous, bisous. Merci Françoise. Ciao, ciao.